Ce qui fait qu'on a transformé même nos habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les Sénégalais, c'était pas notre culture du tout. C'est tout à fait récent que notre culture soit le riz. D'ailleurs, en passant, la lutte avec frappe aussi est une invention du colonialisme. Vous savez, c'était un colon particulièrement terrifiant qui aimait beaucoup faire se battre entre les Africains. Nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains, agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire. Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant fort, de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre sa propre affaire et faire ce développement. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même
nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, le système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac, que les Américains, très 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 rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Ça change radicalement. Un Français qui sort des classes préparatoires, vous le menez dans une université américaine, il plane sur tout le monde. Dès qu'il a fini ses études d'undergraduate, il se retrouve à l'arrière de la classe et les autres sont devant lui. Parce que les autres ont été élevés dans l'idée. C'est donc cela que nous devons essayer d'insuffler également dans nos formations. Avoir les qualifications les plus pointues, mais également avoir la capacité d'entreprendre. Une étude de l'IFON qui vient de sortir, qui a fait une enquête auprès des jeunes de 15 à 35 ans, je crois, et il s'avère que 75% de ceux-là disent que leur souhait, c'est de pouvoir partir de ce pays dans les années qui vont venir. C'est terrible. C'est terrible, non pas seulement parce qu'ils veulent partir, mais aussi c'est que vous avez une population qui est atteinte dans sa capacité d'initiative elle-même. Être atteint, mais être atteint dans sa capacité, c'est pire. Et c'est ce que disait quelqu'un comme Aimé Césaire dans les années 56. Ce qu'il reprochait à la colonisation, c'était moins d'avoir occupé le pays que d'avoir, dit-il, créé une crise d'initiative. Et la vraie réponse à la colonisation, ce n'est pas seulement la décolonisation pour lui, et d'avoir l'impression qu'en bonne prospective, l'avenir est quelque chose que nous pouvons nous-mêmes forger de nos propres mains. Et c'est cette idée qu'il s'agit de restituer à notre jeunesse. Ici, le procès a opposé de toutes ses forces pendant très longtemps à ce qu'il appelle la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation de l'Afrique. Vous le savez, vous l'avez lu dans vos livres d'histoire, à un moment donné, la France, que l'organisation la plus rationnelle de ses propres colonies, c'était de les regrouper en fédérations, deux grandes fédérations, la fédération de l'AEF, l'Afrique équatoriale. Se rend compte du chose. Dès 1946, il avait déjà parlé de l'indépendance. Il savait qu'elle était inéluctable. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était clair que les craquements du système colonial allaient conduire vers les décolonisations. Il était donc clair qu'à un horizon plus ou moins éloigné, les indépendances allaient s'effectuer. Dès lors, ce n'était plus la priorité pour Senghor d'être indépendant en 56, en 58, en 60 ou en 62. La priorité pour lui était d'y aller ensemble. C'est-à-dire que dans le couple émancipation-unité, il fallait pour lui mettre l'accent sur le concept d'unité et l'émancipation, de toute façon, se ferait. Comme le disait Kouma, paraphrasant la Bible d'ailleurs, « Prenez le royaume politique et le reste vous sera donné de surcroît. » Commencez par réaliser votre unité et l'indépendance elle-même viendra. Et c'est la raison pour laquelle Senghor a considéré comme un grand échec les indépendances séparées des pays africains. Les paramètres sont comme la langue des hommes. Ce qui pose un problème, c'est également un atout. Aujourd'hui, l'Afrique a un problème avec sa population, a un problème avec sa jeunesse. Ça veut dire que vous avez une population vraiment importante, il faut lui trouver du travail, et cela ne va pas de soi. Donc, vous pouvez considérer que cette jeunesse est un poids. Mais également, cette jeunesse est un atout extraordinaire si vous regardez la démographie, non plus seulement localement, mais sur le plan mondial. Et que vous vous dites que les gisements, les grands gisements de développement démographique et de développement de créativité et de développement d'une jeunesse entreprenante, etc., se trouvent en Afrique. Donc, nos problèmes sont également, d'une certaine façon, aussi nos solutions. Les germes de changement nous disent que les choses sont en train d'aller mieux. Les germes de changement et la projection nous disent que les choses vont aller en principe, de mieux en mieux. Mais en même temps, que les chiffres qui permettent de mesurer ce mieux, c'est-à-dire la croissance existe, en même temps, nous nous rendons compte que cette croissance ne se transforme pas en emploi.
Et donc, vous avez la situation paradoxale où la jeunesse africaine est à la fois l'atout le plus important de ce continent, étant donné les germes de changement, et c'est une jeunesse qui ne croit pas elle-même en son propre futur ici. Dans le passé, avant que la vraie religion arrive, d'en refuser la religion au nom du polythéisme de leur père, etc. Mais si vous entendez cette phrase comme nous parlons de nous aujourd'hui, de temps en temps, nous avons à transformer notre propre tradition en une espèce d'idole et de divinité. Cette tradition, elle nous appartient, elle est notre héritage, et qu'il nous appartient de lui donner signification par les actions que nous entreprenons aujourd'hui. C'est cette mondialisation aujourd'hui des connaissances, des intelligences, etc., il faudra compter avec, et il n'y a aucune raison que l'Afrique soit en dehors de ce circuit. Donc il faut que vous sachiez que le brain drain, ça va encore continuer sur au moins une génération. Il arrivera un moment où cela va s'inverser, parce que c'est le cas en Chine et c'est le cas en Inde. En Chine et en Inde, les choses sont en train de s'inverser, les étudiants sont en train de préférer faire leurs études à l'université de New Delhi. Ils ne vont aux États-Unis que quand ils ont raté le concours d'entrée à l'université de New Delhi, qui leur semble meilleur que la plupart des universités américaines aujourd'hui. Et par ailleurs, les gens rentrent. Mais même quand ils étaient dans ces meilleures universités américaines, ils s'arrangeaient toujours pour garder des liens avec leur pays d'origine. L'idée que la vraie fidélité est dans le mouvement. La fidélité à notre tradition, à notre pensée et à qui nous sommes sera réelle si nos actions nous sont dictées, non pas par cette tradition, mais par le futur que nous souhaitons. Et c'est sur cette idée-là que je comptais terminer mon propos. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent à partir de toutes nos plateformes YouTube, Facebook. Je vous dis merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est le 28 juin 2022 et nous sommes sur la tribune du Festival intellectuel où nous aimons à le dire, nous cherchons à convaincre sans vaincre qui que ce soit parce que quiconque est déjà convaincu n'a plus besoin d'être vaincu. Et c'est ce que vous venez de constater avec ce que le professeur a dit. La qualité d'un intellectuel, c'est d'être capable de susciter la réaction intellectuelle pour toujours pousser les limites de la connaissance qui, elles-mêmes, vont produire de nouvelles réalités pour permettre à notre société d'évoluer. Un intellectuel, ma foi, c'est aussi celui-là même qui a la capacité d'utiliser son potentiel pour créer. Et c'est ce que Nietzsche appelait le surhomme. Et vous avez un exemple du surhomme en la personne du docteur président guide bâtisseur cette fois éclairé, le Pygmalion Alassane Dramane Ouattara. Je vous dis bonsoir et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous aurons aujourd'hui 4 thématiques et la première concerne la revue de la presse. Le sursaut lève un coin du voile sur les attaques des pro-PPACI contre le leader du COGEP. Le même journal invite le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, à dire toute la vérité aux Ivoiriens. Pour sa part, le Nouveau Réveil nous apprend que le bureau politique du PDCI d'Henri Konabédié se tiendra à la mi-novembre 2022. Bataille pour le contrôle de la région du Tonkoui, note l'Inter. Le journaliste écrit que le général Vagondo Diomandé met en garde et envoie des pics à Albert Mabritoakeuse. Des gens bandent déjà les muscles, entre guillemets, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Big Togo, a eu des échanges avec la presse ivoirienne. Selon notre voix, le président de l'Assemblée nationale a salué la contribution des journalistes au renforcement de la démocratie. Le journal revient sur le séjour de Pascal Afinguessa en France. On lit que le président du FPI aurait été reçu à la métropole de Lyon. Le Rassemblement, quant à lui, s'intéresse à la fragilité des couples et fait savoir que le taux de divorce monte à 45% en Côte d'Ivoire. Mariage samedi, divorce le dimanche ou même le lundi, a ajouté le journal, qui révèle le nom de la région la plus affectée par les divorces. Pendant ce temps, Soir Info parle d'un fait divers à sa une. Un notable séquestre une fille et la fait violer
par son fils, écrit Le Média. Selon fratmat.info, depuis son annonce, le poste de péage de Grand Bassam continue de faire couler beaucoup d'encre. Le passage du péage fixé à 1 000 francs CFA influe déjà sur le coût du transport en commun dans la région du Sud Comoué en Côte d'Ivoire. Il faut le signifier, les populations ne sont pas contentes. Elles doivent ajouter la somme de 100 francs, voire même 200 francs CFA sur le tarif habituel. Pour me rendre à mon lieu de travail, situé dans la commune de Trècheville, j'ai payé 900 francs CFA au lieu de 700 francs, comme d'habitude. Mon voisin de quartier a déboursé la somme de 1200 francs pour se rendre à Adjamé, nous informe le jeune Gérard K, un résident de la ville de Bonnois. À la gare de Renault, sise à Adjamé, les passagers de la ville d'Abouasso se plaignent également. Les caissiers demandent aux clients désireux de se rendre dans cette ville de préparer une pièce de 100 francs CFA. Veuillez ajouter la pièce de 100 francs sur vos billets de 2000 francs CFA, lance-t-il aux passagers. Selon l'un d'entre eux qui a requis l'anonymat, l'ordre est venu des patrons de la gare. Nous ne sommes que des exécutants, dit-il, puis d'indiquer que cette augmentation crée un véritable souci de monnaie qui embarrasse tout le monde. Rencontré à la gare d'Adiaké, AS, fait savoir que l'augmentation impactera inéluctablement sur les prix des denrées alimentaires. À cette allure, nous les commerçants n'aurons pas d'autre choix que d'augmenter les prix de nos marchandises, a-t-il déploré. Pour lui et pour de nombreuses personnes, les autorités ivoiriennes doivent revoir le coût du péage à la baisse afin de faciliter la vie à la population qui souffre déjà énormément. Sungata Keïta. Le fameux colonel Assimi Goïta et sa bande ne faisaient que pour, c'est-à-dire une bande de mercenaires de la société de sécurité privée Rees Wagner. Plus qu'un aveu d'échec. Le gouvernement de la transition conduit par l'idéologue Premier ministre anti-français est confronté à un embargo économique qui ne lui permet plus d'honorer les engagements pécuniaires vis-à-vis des soldats de fortune. En français simple, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le gouvernement du Mali là, n'arrive plus à payer Wagner. Quant aux hommes de Wagner, pas d'être poursuivi un jour par les organisations internationales pour les crimes et exactions contre les civils. D'ailleurs, depuis le défaut de paiement de pécule, ils ne sont pas prêts à encore risquer leur vie dans le bourbier malien. Pour les terroristes affiliés à la Katiba du Matina, les forces armées maliennes se sont accaparées des méthodes de torture et de liquidation de leurs invités russes, tels que le massacre de Moura. Tout compte fait, entre les trois parties, une paiera les factures des violations des droits de l'homme devant la CPI. Sujet numéro 2. Un programme spécial d'insertion lancé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour lutter contre le terrorisme et son corollaire placé interne, la Côte d'Ivoire développe dédié à des milliers de jeunes résidant dans la zone nord frontalière avec le Burkina et le Mali. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé hier lundi 27 juin 2022 à Abidjan le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. La première phase de la sélection de l'opération spéciale d'insertion des jeunes résidant dans les zones frontalières du Nord, a permis de sélectionner, avec les listes disponibles aujourd'hui, 5664 personnes, a déclaré le ministre Mamadou Touré, présentant un bilan de mi-parcours de l'opération. Le programme de réintégration vise à amplifier les intérêts de l'État en matière d'insertion et d'emploi
pour 19 812 jeunes dans les régions du Bunkani, Tchologo, Poro, Bagoué, Kabadougou et Folon, frontalières au Mali et Burkina, a indiqué le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Ainsi, pour la mise en œuvre de cette première phase du programme, 1216 jeunes ont été sélectionnés pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, qui démarreront le 4 juillet. 997 candidats ont tenu pour les permis de conduire, 1472 personnes pour des activités génératrices de revenus et 274 pour l'apprentissage. Il a également fait savoir que la mise à disposition d'appui au secteur informel, estimée à 2 milliards de francs CFA, a été engagée pour la subvention de 8 000 personnes en raison de 250 000 francs CFA chacune. Ce programme constitue une réponse à la menace terroriste dans la zone. Il devrait permettre d'éviter que les jeunes de ces régions aux groupes djihadistes en leur offrant des occasions professionnelles ou en accompagnant à la création d'entreprises, a soutenu le ministre Mamadou Touré. Depuis juin 2020, le nord ivoirien est la cible d'attaques attribuées à des djihadistes, notamment le département de Téini à la frontière avec le Burkina Faso, où plusieurs attaques ont fait des dizaines de morts au sein de l'armée ivoirienne, a-t-il soutenu. Et c'est très important, il faut que la population adhère à ce programme. Et depuis pratiquement la semaine passée, j'en parlais, et il faut que la population parte vers l'info. Parce qu'en réalité, c'est un programme américain. Et donc, les fonds seront très bien suivis, mais il faut que la population, même si comment ça se passe, on va t'expliquer ici. Ou bien même s'il faut inviter un agent du ministère, je crois le 13, on était là-bas. On peut même les contacter pour une séance d'explication ici. Nous, on ne parle pas dans le vide et c'est sur du concret. Et donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Ceux qui veulent chercher à comprendre là, on peut te faire ton permis. Si tu veux aussi que tu as déjà un boulot là, on peut te donner juste... Si tu veux même là, tu peux faire aussi une formation. Donc là, toutes les opportunités sont là. À vous de vous renseigner selon vos besoins pour pouvoir prendre part. Et nous disons aux jeunes du nord de la Côte d'Ivoire de s'inscrire massivement et d'y adhérer. Sujet numéro 3. Péage de l'autoroute de Grand Bassam, un coup de massue sans aucune communication. L'autoroute de Grand Bassam, source de soulagement au moment de son ouverture en 2015, est en passe de devenir un objet de grogne sociale. Et pour cause. C'est avec stupéfaction que les Ivoiriens, notamment les usagers de ce axe international, prévu pour rallier la ville de Lagos au Nigeria, ont appris sur les réseaux sociaux la tarification fixée sur ce poste de péage. Ainsi, depuis le vendredi 24 juin 2022, les véhicules légers, dits de la catégorie 1, sont taxés à la somme de 1 000 francs CFA au poste de péage. Pour la catégorie intermédiaire, c'est 1 500 francs CFA qu'il faut désormais débourser. Poids lourds et les autocars à deux essieux, quant à eux, paieront 2 500 francs, pendant que les poids lourds et les véhicules de trois essieux doivent s'acquitter de la somme de 3 500 francs. Au-delà des coûts exorbitants, des transports tarifés pour certains à 500 francs CFA, c'est la stratégie de communication et d'information du gouvernement qui est pointée du doigt. L'information relative au tarif du péage n'a connu aucune période de sensibilisation, notamment dans les localités de Grand Bassam, Bonois, Abouasso, autres fortes décisions. Pour rappel, l'ancienne route de Grand Bassam dessert des villages, mais aussi des cités nées de la mise en œuvre de promotions immobilières. L'information a fusé de toutes parts, sans qu'un sentiment de coordination ne s'en dégage.
il semble qu'il n'y a aucune véritable stratégie de communication. Certaines populations continuent même d'espérer que la mesure soit modifiée. Cette information arrive comme un coup de massue sur les acteurs des transports, mais aussi sur le budget des populations circulant sur ces taxes pour leurs activités quotidiennes. Cependant, en impliquant en amont la télévision, les radios de proximité et les journaux, l'information aurait certainement mieux été reçue. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, certains prix de transport des localités concernées ont pris l'ascenseur. Pour ceux qui ne veulent pas payer au péage, le choix de passer par l'ancienne route a été fait avec pour bonus les ralentissements et les embouteillages aux heures de pointe. Un motif supplémentaire de frustration pour des concitoyens qui ont le sentiment d'être exclus de l'utilisation à coût raisonnable d'une belle infrastructure financée ne serait-ce qu'en partie par les contribuables ivoiriens. Source Le Banco. Et pour terminer avec ce dossier, écoutez ensemble M. Touré Adama, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Et c'est une vidéo que nous allons vous faire jouer, si vous nous le permettez. Nous sommes surpris du coût très élevé que cette station que nous avons accueillie avec joie est en train d'être annoncée pour la mise en applicabilité. Nous dénonçons que cela a été fait sans aucun consensus, sans aucune information préalable. Et nous ne pouvons accepter ce genre de montant sans réagir. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, nous adressons directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour qu'il s'approprie personnellement de ce dossier qui, ma foi, rend la vie plus difficile à nos populations qui s'écroulent déjà sous le poids élevé de la vie chère. Aujourd'hui, à Abidjan Bassam, nous les transporteurs, nous le faisons à 500 francs. De manière qu'à chaque passage sur le pont Abidjan, nous devons payer 500 francs. Nous serons dans l'obligation de doubler ou de tripler pour faire des bénéfices. L'axe Abidjan passant dans un premier temps, sans oublier tout l'axe jusqu'à Noé. Alors, vivement, que M. le Président essaie de revoir et appeler son ministre à l'ordre pour que vraiment les populations ne continuent pas et les entreprises ne soient pas obligées de faire des augmentations vraiment incontrôlées. Parce que tous les modes de véhicule sont abusivement augmentés pour vraiment cette station que nous ne comprenons pas. Il faut comprendre, une chose est vraie. Il y a des riverains qui vont aussi en pâtir, qui sont juste obligés de passer obligatoirement par cette station avant d'atteindre leurs différents domiciles. Nous proposons simplement que pour les petites voitures, le président de la République fasse l'effort de voir au niveau de son ministre des Infrastructures qui ne conduit personne à aucune réunion. En tout cas, nous, on n'a jamais été contacté par le ministère des Infrastructures pour des fixations de ce genre de coûts. Le Fonds national routier connaît notre existence. On a fait des missions avec eux au Maroc, mais aujourd'hui, la direction s'est enfermée dans une réalité que nous dénonçons tous, parce que la promesse non tenue pour l'autoroute du Nord. Et aujourd'hui, elle a honte de nous la montrer. Alors, ce n'est pas le lieu de nous obliger à réagir, parce que nous ne voulons pas vraiment de troubles dans notre pays. Parce que si la population se plaint de l'augmentation du transport, les emprunteurs seront obligés de carrer leurs véhicules, parce que nous avons fait ça pour rentabiliser notre avenir. Donc, nous demandons à son Excellence, M. le Président de la République, de mettre le coût des petites voitures à 250 francs. C'est la proposition de la Fondation des gares routières. Et de faire un minimum de 50 à 70% sur tous les autres actes, tous les autres modes de transport vont passer à cette service. Merci de votre aimable attention. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu ce que le monsieur vient de dire. Et vous voyez que ce n'est pas vraiment intéressant. Personne n'a été associé à la décision. Encore, la stratégie de communication est discutable. Et surtout aussi, quand on essaye de voir les implications politiques, c'est une décision qu'il faut revoir le plus tôt possible, selon moi. Et comme disait quelqu'un, ce que nous demandons, c'est une harmonisation de tous les prix.
c'est-à-dire qu'il faut pratiquer 50%, ou bien essayer d'harmoniser les prix si vraiment cet édifice-là doit servir à nos populations. Il faut être capable de penser au social et surtout au contexte difficile même pour toutes les familles en Côte d'Ivoire pour essayer de rendre la vie un peu plus facile à toutes nos populations. Et nous sommes sûrs que le chef de l'État en a les capacités et nous espérons bien avoir dans les jours à venir ou peut-être même les semaines des décisions qui redonneront le sourire aux Ivoiriens et à toutes les familles. Sujet numéro 4, qui est le dernier. C'est un texte de notre mère, Madame Blanc, et il a pour titre « La politique ivoirienne, l'an zéro ». L'actuel champ politique ivoirien est riche en enseignements. Le plus pertinent est qu'en 62 ans d'indépendance, notre pays n'a connu que deux présidents dignes de ce nom. Ce sont le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, et son excellentissime Alassane Ouattara. Bédié et Gbagbo n'ont été que de piètres magiciens. Ils n'avaient qu'un tour de magie dans leur chapeau et dont le peuple s'est très vite lassé. Il en est ainsi de ces deux ex-chefs ayant usurpé le fauteuil présidentiel. Ils ont été rattrapés par le manque de talent. À bien y réfléchir, le ciel a établi le président Alassane Ouattara au pouvoir au meilleur moment. Pourquoi? Primo, nous sommes aujourd'hui à Guéry, au critère du choix d'un vrai président de la République. Pas ceux qui, par manque d'inspiration, ont surfé sur la vague mouvante et périlleuse de la classification ethnique. Mais un président fédérateur, unificateur des différents peuples que compte la Côte d'Ivoire. Secondo, nous avons compris que le président Alassane Ouattara a rebattu les cartes du jeu politique ivoirien. Il a si bien réorganisé le jeu avec le génie qu'on lui connaît que l'opposition est déstabilisée, désorientée, voire larguée complètement. En maître, il a obligé l'opposition à revoir sa copie. D'où ce silence radio que tous nous constatons depuis pratiquement des années. Vous imaginez donc qu'il n'est point chose aisée pour elle de se recréer et de devenir performante. Elle qui ne connaît que la force des armes comme l'unique voie menant au pouvoir. Nous avons encore en mémoire le CNT, cette douloureuse manigance d'individus limités qui pousse les enfants des autres au suicide collectif pendant que les leurs se la coulent douce ailleurs. Oui, grâce à nos Cyrus, nous avons de l'avant les aptitudes et le devoir d'un président et nul ne viendra nous berner à ce propos. Alors, puisque leurs porte-voix ont pour la plupart pris conscience, puisque cette télépacotille des réseaux sociaux va peut-être même fermer, attestons que, de par sa performance hors du commun, Alassane Ouattara a remis la pendule à l'heure. Il décrète 2025 l'an zéro de la politique ivoirienne. Source Massiata Blanc avec une lecture d'éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Et pour ceux qui le souhaitent, je viens de faire une vidéo sur les activités du CNT avec le maléfique Soro Guillaume. Quand vous allez regarder, c'est certes un assemblage d'anciennes vidéos, mais ça vous permettra encore davantage de connaître l'homme
et de savoir que ce n'est pas sur cette opposition-là que la Côte d'Ivoire peut réellement compter. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Nous avons complètement fini. Il est midi 10 heures de New York, ce qui fait 16h10 à Abidjan. Tous ceux et toutes celles qui veulent poser des questions, la ligne est ouverte pour 25 minutes. Placez votre appel pour être pris en compte. Et donc, nous allons commencer avec la première personne déjà qui s'est signalée afin qu'elle puisse s'exprimer. Je dis merci à tous. Donnez plus de plus à nos différentes émissions. Oui, bonsoir Adolphe, comment allez-vous? Allô? Oui, Excellence, le grand maître, bonsoir. Vous êtes un peu loin du téléphone? Non, je ne suis pas loin du téléphone. Oh, okay. Vous ne m'entendez pas? On a l'impression que vous êtes... Vous m'entendez? On entend difficilement. Oh là là! Et vous m'entendez maintenant? Oui, c'est assez mieux maintenant. Oh là là, ok. Là, vous avez la parole. Je peux y aller? Oui, vous avez la parole. Allô? Allô, grand-mère? Allô? Oh là là. Allô, grand-mère? Oui, je disais, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci bien, grand-mère. Merci à tous les auditeurs. Merci à toute la classe. Ok, nous allons tout droit et... Chères followers épris de justice et de paix, dans une harmonie de cœur et des esprits, soyez les bienvenus sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la bienveillance de son grand maître, l'éclaireur pour vérité. Comme il aime à le dire si bien et si haut, sans aucune prétention, et je cite, « Nous ne cherchons pas à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées positives, des réflexions intellectuelles, des analyses objectives et surtout des propositions constructives. » Fin de citation. Et là, c'est une approche qui se veut la vision et la démarche de notre très cher, bien-aimé, respecté et respectable guide, bâtisseur inégalable, cette fois éclairé, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République et chef d'État. Chères followers, dans cette rubrique intitulée « Le regard d'Adolphe », nous allons continuer à retracer les traces maléfiques de Gbagbo Laurent qui s'éploue le boulanger sanguinaire. N'avait-il pas dit que lorsqu'un homme marche, il laisse des traces? Alors, nous lui emboîtons le pas pour dire que le passé doit nous servir de repère afin de mieux appréhender le futur. Car en tant que contemporain et témoin populaire des faits, il est de notre devoir ce mémoire pour les générations futures. Dans cette deuxième partie, nous allons parcourir les traces, comme nous le disons, de Gbagbo, le boulanger roublard, le patron du PPACI et ses traces maléfiques. Et surtout la période sociopolitique post-électorale, 2010. Alors, top chrono, c'est parti. Acte 1. Nous sommes en 2010. Alors que le désarmement et la réunification du pays n'étaient pas effectifs, le roublard s'éprouve à Gbagbo Laurent dans un deal avec Zéro Guillaume a accepté d'organiser l'élection présidentielle. Et quand les journalistes s'en inquiétaient et lui demandaient, il leur donnait une assurance avec ce terme. Oui, ça c'est notre problème à nous les Ivoiriens. Et car il était rassuré de remporter ces élections, bien sûr.
C'est notre affaire à nous, les Ivoiriens. Nous allons organiser ces élections et il n'y aura pas de guerre, disait-il aux journalistes. Il va alors demander la certification des résultats de cette élection à la communauté internationale via les Nations Unies. C'est alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies va accréditer son envoyé spécial, Iji Choi, pour cette mission de haute portée et sensibilité. Mais malgré toutes les assurances, Laurent Gbagbo, c'est pour le boulanger sanguinaire, a refusé d'accepter les résultats du deuxième tour de cette élection présidentielle qui donnait son adversaire, le docteur Alassane Dramane Ouattara, vainqueur. Mais fait spectaculaire avait été donné de voir le Conseil constitutionnel à ses ordres annuler et invalider les résultats des 7 départements du nord du pays sans aucune preuve matérielle et va proclamer vainqueur Sepou Doubabou Laurent. Alors qu'après consultation et avis de toutes les organisations sous-régionales, régionales, africaines, l'envoyé spécial des Nations Unies, le diplomate nord-coréen Iji Choi, venait quant à lui, en vertu des pouvoirs qui lui étaient dévolus, certifier aux yeux du monde entier la victoire du candidat Alassane Dramane Ouattara de la coalition des partis politiques. Souvenons-nous comme hier que les présidents Nicolas Sarkozy de la France et Barack Hussein Obama des États-Unis avaient eu aussi à appeler Sepou à renoncer à son appel pour recomptage des voix et céder le pouvoir. Tandis que de ce fait, le nouveau président élu, son Excellence, le docteur Alassane Ouattara, qui était retranché à l'hôtel du Golfe avec tous ses proches, dans un esprit de conciliabule, de paix, de fraternité, d'amour et de respect pour son frère Gbagbo, gardait toujours le profil bas en appelant à la raison dans l'intérêt supérieur de la nation. Hélas, poussé dans le dos par les caciques et les extrémistes de son parti, il espérait toujours l'intervention d'un certain éternel des armées et il s'agrippait au pouvoir dans cette terreur. Dans la droite ligne de leur philosophie qui était propagée par ce slogan « on gagne ou on gagne », c'est plus le boulanger, dans sa boulimie du pouvoir, tentait autre coûte vaille que vaille à s'accrocher du pouvoir. Et son général de la rue, Charles Blégoudé, va alors appeler les milliers de jeunes gens de la galaxie patriotique à s'opposer comme des chiens à canon par toutes les manières contre la volonté du peuple ivoirien qui venait de lire dans les urnes le candidat de leur choix en la personne du docteur Alassane Dramane Ouattara. En fait, malgré l'expiration de la date butoir qui lui était donnée par la CDAO et avec la bénédiction des Nations Unies, c'est pour le boulanger terré dans le bunker du sous-sol de la résidence présidentielle va garder et se cramper au pouvoir pendant que des milliers d'hommes et de femmes tombaient sous les balles des forces régulières qui venaient toutes de faire allégeance au tout nouveau président de la République. Il a élu son excellence, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Au finish, afin d'arrêter le sang versé partout, l'ordre fut donné de passer à l'offensive pour déloger ses pour le capturer afin que cesse cette tuerie. On va donc le capturer comme un rat dans son trou. Ayons donc une pensée pieuse pour tous ceux et celles qui, de quelque voie politique que ce soit, ont perdu la vie à cause du refus du despote tyran sanguinaire de céder le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu. Et que Dieu puisse accorder son repos éternel à tous leurs âmes. Amen. Acte 2. À sa sortie de la prison, alors que les uns et les autres des principaux acteurs de la scène politique ivoirienne ont demandé pardon aux parents des victimes, Sepou, quant à lui, n'a pas souhaité reconnaître sa responsabilité et cette crise post-électorale et par conséquent n'a pas osé demander pardon, même le simple pardon, alors qu'il est mentionné dans nos livres saints que le pardon précède toute œuvre humaine pour un croyant. Acte 3,
Pour ne rien arranger, l'opinion nationale et internationale était choquée d'assister à cette scène théâtrale qui nous a livré dès sa descente de l'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en chassant sa femme légalement mariée, Simone Yves Gbagbo, son compagnon de lutte politique, comme une bête. Acte 4. Dans sa haine viscérale contre son ancien compagnon, non moins son ex-premier ministre, Afinguissant, il va céder, selon lui, l'enveloppe vide du FPI qui venait de crier. Il avait crié pour autant. Il abandonne cette enveloppe. Acte 5. Pour terminer avec ce retour sur les traces de Sepou le Boulanger, après le divorce formel avec son épouse, je dirais, informe. Mais informel avec son épouse Simone, et celui avec Afinguissant, qui va refaire surface en créant, en fondant un parti des xénophobes, un parti des tribalistes, un parti des nullards et des médiocres appelé PPACI. Acte 6. L'ingratitude étant son propre, c'est pour nous, le sanguinaire, le plus nul des hommes politiques du monde, va déclarer une guerre sans pitié sur tous les fronts à son co-détenu, Charles Blé Goudé, Blé la machette, Blé l'allumette et l'essence, et pour eux étant, et de la cheville ouvrière depuis la fessie jusqu'aux hostilités, la crise post-électorale et tous ces combats. Oui, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'est ce roublard, c'est pour nous. Chers followers, voici en quelques lignes les traces qui nous a été donné de voir sur les traces maléfiques. La laisser ses poux, Pablo Laurent, le boulanger sanguinaire des mamans. Et que peut-on déduire et retenir d'un tel individu dont aucune trace ne procure ni espoir ni vie, au contraire la désolation et la mort de ses compatriotes? C'est ici le lieu pour nous d'interpeller le braqueur de la BCAO, le Sieur Katina Koné, le délinquant criminel de la galaxie patriote d'Amana Adiaticas et leur suiveur extrémiste du PPACI, à garder profil bas et arrêter de narguer le peuple de la Côte d'Ivoire qui a gros sur le cœur. S'ils pensent que l'acquittement de leur mentor, la prison du CPI, est synonyme qu'il aurait été blanchi, dont il nous sentait des crimes et des milliers et milliers de personnes qu'il a occasionnés par son refus de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle 2010, non, rien s'en fout, il s'est détrompé, car nous savons comment tout s'est bien passé sous le leadership et l'humanisme et la tolérance, la bonté légendaire qui caractérise le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui a pesé dans la balance pour faire libérer et acquitter. Alors, mais ces suiveurs qui sont Katina, Damana et autres touristes, pendant qu'il est encore en car on trouve des comptes à rendre à la nation ivoirienne. Autrement dit, cela aurait été une procédure avec des présidents intransigeants et sanguinaires et insensibles, on les aurait tous traduits devant des tribunaux ordinaires pour d'autres et pour d'autres, devant des causes sociales pour certains crimes, des trahisons et autres trahisons. Mesdames et messieurs, au regard donc de cette trace qu'il a laissée derrière lui, nous pouvons sans aucune prétention dire que d'abord Laurent Dissépou, le boulanger roublard sanguinaire, est le vrai mal de notre pays et que notre pays a connu. Excellence, le grand maître, vraiment avec la tribune, nous donc cette partie consacrée à l'aventure sur les traces du sanguinaire, surtout le boulanger, qui disait que quand l'on marche, il faut laisser des traces. Mais voilà un peu ces traces. Merci donc, le grand maître, à tous les auditeurs, à toute la classe. À vous l'antenne, grand maître. Merci beaucoup, Adofis, pour ce travail de mémoire qui est inestimable en termes de qualité. Merci surtout. Donc, j'allais vous dire vraiment merci beaucoup pour le travail et vraiment vous souhaiter une excellente soirée pour ce beau travail qui a été effectué et surtout bien des choses à vous-même et à toute la famille. Bien des choses à tous les auditeurs et toute la classe. Merci.
merci et bonne émission. Merci beaucoup, Adofis. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à dire que la ligne est bouclée pour aujourd'hui. Tous ceux qui ont émis le désir sont déjà dans la ligne. Et en toute sincérité, nous ne prendrons plus personne. Et donc, ceux qui sont déjà dans la ligne sont avec ces personnes-là que nous allons pouvoir continuer l'émission de ce jour. Et il est déjà 25. Et donc, on ne prendra plus personne qui viendra après. Parce qu'il ne sert à rien d'allonger les émissions inutilement. Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Dieu merci. Ok. Donc, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Je voulais commencer en vous saluant et saluer tous les élèves de la classe. Monsieur le maire, j'ai seulement quelques questions à poser d'abord. Oui, oui. Si cette fois, concernant cette histoire de péage sur la route de Grand Bassam, ça fait tout un. Vous êtes un peu loin du téléphone? Non. Le téléphone est tout juste avec moi. Ok. Vous m'entendez bien? Un peu difficilement, on a l'impression que c'est dans le fond. Ça fait que c'est un peu difficile. Oui. D'accord. Ces derniers temps, je ne sais pas, il y a quel problème au juste. Même souvent, quand vous commencez l'émission, souvent ça coupe, on n'entend rien après. On entend après quelques minutes, je ne sais pas. Ok. Si ça attaque ou bien si c'est la connexion qui fait ça. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. On vous entend. Donc, je voulais seulement poser cette question d'abord. Pourquoi ce problème sur le pont à péage sur le péage de Grand Bassam, les gens font tout un problème à cause de ça. Pourtant, sur la route de Yamsoukro, il y a deux péages là. Que les gens payent. C'est-à-dire, c'est pas un seul péage, il y a deux péages. J'ai même pris cette voie plusieurs fois. Je crois que pour les véhicules personnels, c'est 1250 s'ils ne mettraient pas dans tous les deux péages. Bon, pour un seul pays, sur la route de Grand Bassam, donc tout le monde parle de ça comme si ceux qui habitent là-bas sont plus mieux que ceux qui habitent après Yamsoukro. Tous ceux qui habitent là-bas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je voulais seulement comprendre pourquoi. Les gens font ça pour les gens, c'est un grand problème qu'on n'a jamais vu encore. Effectivement, la question que vous posez, elle est importante. Mais il faut comprendre la psychologie globale. Des Ivoiriens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est beaucoup dominant dans la psychologie des Ivoiriens, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens qui vont te dire qu'eux ne reconnaissent pas le travail que le président Ouattara a fait. Pourtant, chaque jour, ils en bénéficient, chaque jour, ils utilisent. Et quand tu es en face de personnes qui sont mal intentionnées, ton rôle sera de toujours minimiser le fait qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose à dire. Ce n'est pas parce que ce qu'ils disent est vrai. Mais eux, ils ont tout leur temps pour dire n'importe quoi. Et donc, toi, ta responsabilité, il te reviendra de mettre tout en œuvre pour pouvoir leur clouer le bec. Et si nous demandons à ce que les prix soient harmonisés, c'est très important parce que pour nous, effectivement, l'opposition peut utiliser ça comme un bâton pour frapper le régime en place, pour dire aux gens, regardez comment ils ont augmenté les prix pour Bassam là. C'est une manière de dire qu'ils vont vous exploiter économiquement ou bien ils vont essayer de se venger de vous en augmentant les prix. Et effectivement, le sens de notre combat, c'est dans cela que ça s'inscrit. Et nous nous disons quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas harmoniser tous les prix de tous les péages? Là, quand c'est comme ça, on ne va plus parler de San Pedro, on ne va plus parler d'Abidjan, on ne va plus parler d'Atiengé, on ne va plus parler des péages de XY. Moi, j'estime que pour boucler le clapet à tout le monde, on peut harmoniser tous les prix. Puisque d'autres disent que le pont à péage, c'est un pont, le ministre dit que c'est une route internationale.
Nous autres, nous estimons que c'est en ville. Mais en même temps, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et donc, la solution la plus simple est de regarder les Ivoiriens. Quand on regarde aussi le contexte de la vie chère en Côte d'Ivoire, tout le monde sait aussi la mauvaise foi même des transporteurs. Tu sais, même là, si ça dépendait des transporteurs, là, même ils allaient augmenter chaque jour. Mais aujourd'hui, en augmentant les prix de façon conséquente des transports, comme on l'a vu maintenant avec sur l'autoroute de Bassam, ça va être une occasion aussi pour les transporteurs, comme tu l'as entendu, d'exagérer dans les prix. Or, tout le monde sait que dès que le transport augmente, automatiquement, tout augmente. Regarde même le gasoil qui n'a pas augmenté. C'est le super seul qui a augmenté à 715 francs. Mais le gasoil est resté au même prix. Mais malgré ça, les transporteurs cherchent des opportunités pour augmenter. Et donc, une fois que ça s'est augmenté, là, la nourriture va augmenter. Si la nourriture a augmenté, le propriétaire de la maison va augmenter sa maison. Et donc, c'est toute la population ivoirienne qui va subir encore le coût dans leur poche. Et par anticipation, nous on dit, pour ne pas non seulement donner l'occasion à cette opposition de vaurien de pouvoir trouver mot à dire, et pour ne pas que les populations aussi se sentent traitées différemment, je veux parler des populations de Bassam, Bonois et autres, il est mieux donc d'harmoniser tous les prix, et surtout, c'est le gouvernement qui en ressortirait grandi si une oreille attentive était prêtée et qu'on trouvait une solution. Je crois que c'est le gouvernement qui en ressortirait grandi. C'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Mm-hmm. J'ai bien compris votre réponse. Mm-hmm. La réponse me fait plaisir, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi attendre à ce que la population de Grand Bassam et puis Bonoua commence à se plaindre maintenant, c'est là maintenant on va essayer de prendre ça maintenant pour essayer de diminuer tout. Okay. Tous les ponts à péage au même moment et se plaignent. Parce que ceux qui habitent à Yamoussoukro, ceux qui habitent à Yamoussoukro, ou bien dans les villages environ, tout le monde pour venir travailler, puis c'est le tourné. Si chaque pont est là-bas, il fait 1200. 1200 millions, ça fait 2500 pour venir seulement. S'il doit se retrouver encore le soir, il paye 2500, ça fait 5000. Pendant combien d'années ces points sont là-bas et les gens vont voir une personne qui s'appelle. Pourquoi ça est là tout? Parce qu'il y a Bonoua dedans, il y a Grand Bassam dedans, donc les gens vont commencer à se plaindre et puis le gouvernement doit céder maintenant à leur demande pour pouvoir diminuer. Bien vrai, il peut prendre ça pour essayer de faire genre avoir des points avec la population à cause de leurs mensonges. Mais vraiment, je trouve ça vraiment bizarre. Est-ce que je dois te signaler aussi c'est que les péages dont tu parles là ont existé à un moment où il faut tenir compte aussi du contexte global du monde. Aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire, toutes les familles ressentent le poids même des difficultés du moment. Ce pont-là, on l'a ouvert le vendredi passé. Ça veut dire, nous sommes aujourd'hui mardi, il y a à peine 4 jours. Mais à chaque moment, il y a des réalités. Effectivement, comme tu le dis, les autres ponts à péage qui ont été ouverts là, si la population ne se sont pas plaints, si nous-mêmes ne sommes pas plaints, ça voulait dire que la mesure est passée. Naturellement, ça veut dire que tout le monde a accepté. Mais je peux estimer aussi que c'est en fonction des réalités de ce moment actuel-là. Ce n'est pas facile. Quand on regarde, tout a augmenté, chers frères, il ne faut même pas qu'on se mente. La vie est difficile pour la population. Et c'est totalement normal, à mon sens, que les populations puissent aussi évoquer leurs limites. Parce que quand tu regardes, ce ne sont pas uniquement les gens de Bonoua, de Bassam qui se plaignent, c'est tous les Ivoiriens qui se plaignent. Parce que c'est tous les Ivoiriens qui vont payer ce prix-là. Et je trouve effectivement que quand quelque chose ne te convient pas et que tu l'exprimes, ça veut dire que tu veux amener le gouvernement à une négociation sur la table des négociations pour trouver un terrain d'entente. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas mauvais. Allô? D'accord. Oui. Allô, je suis là. Okay. Je ne vais pas aller encore plus loin. Je vais te dire le reste pour moi. Je ne vais pas
trop retarder sur cette histoire. On attend la suite. Il n'y a pas de problème. Moi, merci beaucoup, M. Légaré, pour éclairer sur ce point. Maintenant, ma deuxième question, mes frères qui sont au nord, les projets que vous avez parlé concernant les projets pour le djihadisme, comment on peut faire pour s'inscrire dans ce projet? Moi, comme ça, je vais essayer de les expliquer. Il faut dire que c'est seulement hier que Mamadou Touré est sorti. Et c'est maintenant qu'on va voir les différentes voies et moyens. À l'instant où je te parle, là, je n'ai pas l'information dans sa totalité ici. Mais si tu as remarqué, depuis la semaine passée, j'étais en train de parler de ça et je disais, lorsque ça va commencer, les gens n'ont qu'à s'approcher. Voilà. Et donc, maintenant, lancé officiellement et que les autorités en ont parlé, c'est maintenant qu'on va rentrer en contact avec elle pour voir maintenant les possibilités et les quelques détails qu'on a commencé à avoir déjà. Ou dans ce qu'il a dit, il dit par exemple, si tu es un indépendant qui est dans l'informel, tu peux avoir jusqu'à 250 000 francs CFA. Mais si tu veux subir une formation, tu peux aussi faire ça. Si tu veux aussi qu'on te passe, tu passes ton permis aussi, on peut aussi t'aider à ça. Ça, c'est déjà clair, on comprend. Et maintenant, le comment et les différentes étapes à suivre, je crois qu'on va demander plus de communication et selon les besoins, donner aussi ces informations-là aux populations. Ces sommes-là sont remboursables ou bien c'est donné gratuitement? Non, c'est totalement remboursable. On ne peut pas donner de l'argent cadeau. On ne peut pas donner de l'argent cadeau. C'est remboursable. Parce que si on ne rembourse pas, les autres qui vont venir après, là, comment eux vont faire pour avoir? C'est totalement remboursable. Ça aussi, c'est bien de signaler ça à nos populations. Ce n'est pas gratuit. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème, cher frère. La troisième question, s'il vous plaît. Je voulais savoir quelle est l'avancée actuelle de l'appel que notre maman Blanc a posé contre ceux qui l'ont insulté à Paris. Oui, effectivement. Non? Oui, je peux répondre. Vous savez qu'il faut être humain en toutes choses. Il y a eu des faits qui ont été constatés. Il y a eu des insulteurs publics qui pensaient qu'eux, ils avaient le monopole de la bêtise. Et Maire Blanc a procédé d'abord par une main courante. Une main courante, ça veut dire, j'ai été attaqué, il y a eu des faits, je suis allé informer la police. Si ça continue, je vais donc activer une plainte en bonne et due forme. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. Parce que je vais dire la vérité, à la fin de la journée, là, on est, en tout cas officiellement, on est du même parti. Et donc, si les excès doivent venir de quelque part, ça ne viendrait jamais de nous. Mais la main courante qu'on a mise est le meilleur témoin entre nous et les insulteurs publics. Parce qu'aujourd'hui, les autorités françaises reconnaissent ceux qui ont été des insulteurs publics, ceux qui ont été des agresseurs sans objectif. Et des gens qui ont agressé sans même quand tu leur demandes pourquoi ils te disent « je ne connais même pas la personne que j'ai agressée ». Et donc, aujourd'hui, même devant les autorités françaises, c'est celui qui a posé plainte et qui a donné acte qui est en bonne posture. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui à ces personnes qui se sont illustrées dans ces vilainies-là, si elles ont encore le courage, qu'elles en fassent. Et vous allez voir ce qui va suivre. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de problème, chef. Et puis, ma question, c'est limite par là aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonne émission. Il n'y a pas de problème, chef. Vraiment, merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va, par la grâce de tout va très bien. Ok, Dieu merci. Je te remercie encore d'avoir donné la parole. Et on ne va jamais finir de te remercier. C'est grâce à toi
on a beaucoup d'informations au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, mon sujet, c'est ce sujet qui est... Parce que hier, j'étais prêt à intervenir, mais il était l'heure, je devais aller travailler. C'est à cause de vous envoyer un message. C'était un conseiller. D'abord, je dis bonsoir aux élèves de la classe, aux auditeurs, aux auditrices. Aujourd'hui, c'est sur le cas de Solo Diop, hier. Parce qu'à chaque fois, quand j'attends ce mot, vraiment, ça me fait mal. Parce que nous, on était tous en Côte d'Ivoire, on avait tout se passer devant nous. Chaque fois, si les gars ont la tendance de comparer le cas sur Babou, le goûter, sur eux, Alassane, moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal, éclairer, ça me fait mal. On ne doit pas comparer le cas Bleu-Goudé en Babou et puis Soro à la salle. On doit parler de Bleu-Goudé Babou. À la salle, Ahmed Dagayoko, bon, les Bitogo, les Sanogo, les Pakongo. Oui, moi je peux accepter ça. Mais jamais Soro. Parce que Soro n'a jamais été le bon petit d'Alassane. Soro est venu par accident. Nous tous, on a vécu ça. Et voilà pourquoi. On voit son comportement, parce que ce qu'il a dit par rapport à notre père. Le collègue tapement, c'est qu'il n'est jamais Ahmed Petitsa, jamais bon, jamais le plus de beau, jamais Petitsa. Donc ça nous demande toujours que ce rôle-là, ce n'est pas le bon petit d'Alassane. C'est le fils d'Alassane, on est d'accord. Nous tous, nous sommes des enfants d'Alassane. C'est Alassane qui dit ça, je suis d'accord avec lui. Nous sommes ses enfants. Mais pour dire, dans l'éducation de bon petit, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui le connaissent, ce rôle n'est pas parti de cela. Donc moi, je vais lancer un appel pour dire aux gens, il nous a arrêté de comparer. Ce côté-là, il nous a arrêté ça, sérieusement. Parce que c'est diminuer encore, diminuer le président, et puis diminuer le parti RDR. Parce que les gens fidèles de la salle, les gens fidèles du vieux, d'eux ne sont pas là, d'eux sont là. Personnellement, ceux qui sont décédés. Donc c'est le message que je vais lancer à tout le monde qui stage. Parce que voici les preuves. Voici les cyberactivistes des Soros. Chaque matin, midi, soir, sur le président. Chaque matin, midi, soir, c'est le même langage. Jamais. Donc, ça nous montre que Soros n'est pas le bon petit dans la salle. Il faut qu'on mette ça dans notre tête. Il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. Donc, je voulais dire, je voulais lancer un appel au Soros. À Soros même pour dire que. Voilà, on est assis, hein. Tu vas faire les 1000 personnes pour dire, voilà, voilà, ça, tata. Nous, on est là. Nous, on va te bloquer. Ça, c'est fini. On ne va jamais accepter. Parce que si tu as vendu, les opposants, c'est manifeste contre lui, parle contre nous. C'est sur eux qui a gâté le combat. C'est sur eux qui a gâté le combat. Parce que c'est eux, regarde, c'est sur eux, ils regardent. Puis, comment ça parle sur le pays était à l'aise au départ. Je serais venu tout mélanger, mais Dieu merci, tout a terminé en d'autres. Donc, c'était mon intervention aujourd'hui par rapport à ça, parce que hier, je devais dire ça hier, pour dire que ne comparez jamais le cas de Alassane Soro, vu Babou de Goudé. Babou, il a formé ses petits, les deux Goudé très longtemps, Babou avec ses petits-là. Voilà ça, ils sont fidèles, ils sont ici. Alassane aussi, il a ses gars fidèles qui sont là aussi. Soro-là, il ne va pas venir se mélanger en nous. On ne va jamais l'accepter, même s'il vient là. Son cœur là, c'est toujours noir. On connaît. Voilà. Donc, c'est le message qu'il va lancer aujourd'hui pour dire qu'il ne faudrait pas comparer pour donner de l'ampleur, de donner la valeur à Soro. Jamais. Soro n'a jamais été le petit de la salle. Jamais de la vie. Les bons petits de la salle, on les connaît, on les voit très bien. Et puis, c'est les gars, ils toujours évolué. Hein. Ceux qui ont suivi à la salle depuis très longtemps même, on me dit là, ils toujours évolué. C'est ça, mon demande. Donc, je serai très bref par rapport à ça. Et puis, je vais souligner une petite partie. Il y a une personne qui a intervenu dessus. Elle a fait une remarque. Que nous autres, moi, je n'ai pas fait cette remarque-là. Sur les points à payer. Là. Parce que ce qu'on dit, c'est maintenant, j'ai vu, il y a deux points à payer. Il y a deux. Mais pourtant, je suis en passant. Il y a un point seulement. Allô? Ah, le réseau va lâcher. Donc, je voulais dire que c'est ce que je voulais dire ce soir, quoi. Vous savez que vous avez bien compris par rapport à... Non, je n'ai pas compris parce que, de mon côté ici, le réseau, on n'a pas entendu la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est une question. Okay. Voilà.
deuxième partie, je lui ai dit quoi? C'était le concernant les points à péage. Il dit, moi, je n'ai pas fait une remarque, personnellement. Parce qu'on avait comparé au niveau de la route de Yamsogro et puis Bassam. C'est quand l'intervenant a dit de suite qu'il y a deux points à péage au niveau de Yamsogro. Par contre, sur la route de Bassam, il y a un point seulement à péage. Donc, j'ai analysé ce côté-là. Ah, ouais, ouais. On veut raccommoder les deux, tu vois, on voit que c'est presque la même chose. Mais c'est un problème qui est un peu délicat, c'est un truc à discuter parce qu'aujourd'hui, on veut que la population soit à l'aise. Voilà, ça vraiment, c'est ce qu'on demande au président. S'il peut encore analyser, essayer de voir, penser à la population. C'était mon intervention, quoi. C'est le clair. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Tu sais aussi que le contexte même change souvent. Comme on le dit, les temps ne peuvent pas être les mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes... Et ceux qui appellent, il faut dire qu'on ne prendra personne. Après le temps, maintenant, on va être très rigoureux avec le temps. Ceux qui ne vont pas respecter les 15 minutes, on ne les prendra pas. Je préfère dire la vérité. Voilà. Et donc, comme je le disais, tu sais, à chaque moment, et c'est la même chose que je vais dire encore, le contexte même aujourd'hui, il faut dire que les temps sont durs pour tout le monde aujourd'hui dans le monde. Et donc, quelques petites augmentations soit, vous voyez, ça réveille encore des sentiments extrêmes. Et si on a besoin d'une chose aujourd'hui, c'est de ne pas nous mettre la colère des populations sur le dos en tant que dirigeant. Ça, c'est très important pour la stabilité même du pays aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, on espère bien que les négociations vont toujours continuer afin de pouvoir trouver solution. Et ce que tu disais par rapport à Sorogium, cher frère, il faut comprendre quelque chose. Tu as vu? C'est ça le piège même qui rattrape le gouvernement Alassane Ouattara. Quand nous on parle de justice ici, là, tu as vu, à force de jouer avec la justice, de jouer avec les événements, aujourd'hui on a développé deux types d'Ivoiriens. Un premier type qui est permanemment victime et qui doit accepter d'être victime et qui ne doit même pas parler. Et une autre catégorie d'Ivoiriens qui, eux, peuvent se permettre tous les désordres et eux, ne veulent jamais répondre de leurs actes. Sinon, avec tout ce que Sorogium fait et tout ce qu'il continue de faire, est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit jouer même une minute? Jamais. Mais aujourd'hui, là, Sorogium voit le traitement que les criminels de Laurent Gbagbo, de Damana Picasse, de Kone Katina, il sait qu'il n'aura rien et que tout ça, là, après, ils vont aller s'asseoir en politicien pour négocier. Ils ont déjà compris ça. Et aujourd'hui, Ils peuvent essayer n'importe quel type de désordre. Ils se disent que forcément, ils vont trouver des gens pour venir amadouer, pour blaguer les gens, et puis dire que non, il faut que le monde soit... En fait, ils vont tirer les gens à voir la vie comme ils veulent. Mais ça, là, s'il y avait une justice, là, ça allait impacter les consciences. Ça allait rentrer dans les consciences pour dire, ah, donc chacun a des limites. Mais malheureusement, tant qu'on n'aura pas de justice, on va toujours participer à ça. Et on va toujours trouver des idiots pour venir dire non, comme déjà, même quand on leur remet 300 euros, ils vont venir dire non, comme de toute façon là, vous venez tous du nord là, comme ça, c'est son papa, ou même c'est son neveu. Tout ça, c'est pour blaguer les gens. Quand tu vois un criminel comme Blé Goudé qui dit aujourd'hui que Ouattara est son oncle, mais Sorogium va dire que Ouattara est même le petit frère de son papa. Exactement. Voilà. Et donc, tout ça là, ça a un objectif, c'est pour endormir les consciences. Et quand ils vont multiplier ça, toi qui vas vouloir demander justice, c'est toi qu'on va voir comme un homme méchant, un individu sans cœur. Mes chers frères, ne nous laissons pas distraire. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Si Alassane Ouattara veut le cas pardonner à Sorogium, mais je te dis là, il va dynamiter Alassane Ouattara de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand je parle d'Alassane Ouattara, aujourd'hui là, il a essayé tout ce qu'il peut. Mais vu qu'il a échoué, il veut aussi se rapprocher. Rentrer dedans et maintenant détruire même la machine à partir de l'intérieur. Maintenant, moi, je le dis clairement, si c'est faux, mais les gens du RHDP peuvent essayer, ils peuvent encore le faire. Mais Sorogium ne changera jamais sa méthode. C'est pourquoi je viens de faire une vidéo que j'ai mise de suite à la disposition, ça est sur toutes nos pages, quand Alassane Ouattara met en déroute le diable et ses suppôts. Et ça, c'est fait à l'attention des gens qui se laissent endormir et qui oublie trop facilement le passé. Quelqu'un qui oublie son passé, tu ne mérites même pas d'être considéré comme un homme.
Et quelqu'un qui n'est pas capable de respecter son propre passé, ses propres douleurs, ses propres souffrances, tu es encore moins important même qu'un animal. Parce que si toi, tu acceptes qu'on puisse massacrer tes enfants, que Soro Guillaume rentre en collaboration avec les djihadistes pour massacrer l'armée ivoirienne, Soro Guillaume tue les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre à toutes les extrémités de la Côte d'Ivoire, et vous voulez qu'on pardonne ça facilement, ceux qui veulent pardonner, vous pouvez pardonner parce que c'est votre problème. Mais nous autres là, on va rester sur notre langage. Non, on ne va pas pardonner. Non, on ne va pas pardonner. Non, on ne va pas pardonner à Blé Goudé. On ne va pas pardonner à Soro Guillaume. On ne va pas pardonner à toutes les forces du mal qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Nous n'allons pas les pardonner. C'est pourquoi nous sommes très insatisfaits de la justice. Pour nous là, il n'y a pas encore eu justice. Et nous disons au pouvoir légalement en place de pratiquer une justice où les criminels, quels qu'ils soient, surtout qu'il y a déjà un rapport même du gouvernement ivoirien qui est sorti, et on en a parlé ici, et qui a situé les responsabilités de façon claire. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement ivoirien prenne la responsabilité sur lui de ne pas être un État laxiste et de ne pas être un État défaillant en ce qui concerne la justice. Vous ne pouvez pas nous produire un document où vous listez clairement la responsabilité des leaders politiques et des financiers d'un mouvement insurrectionnel, d'un mouvement de déstabilisation d'un pays et vouloir étendre avec ces personnes. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons que la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, mais ces opposants-là ne vont jamais être des forces qui vont travailler pour la paix véritable et la justice en Côte d'Ivoire, encore moins la fraternité. Chaque fois que vous les verrez en train de faire les jeux doux ou bien de se mettre en bas, c'est une manière pour eux de reprendre du poil de la bête. Et nous, c'est ce que moi j'ai dit à toutes les populations, en tout cas pour ceux qui sont conscients d'elles-mêmes, de ne jamais se laisser distraire par ces personnes-là. Tout ce que vous voyez, les jeux doux de l'opposition, tout, c'est parce qu'ils ont perdu leur repère. Mais à partir de 2025, eux tous vont se remettre ensemble et ils vont encore commencer à massacrer les Ivoiriens et surtout exiger que le nombre de morts s'accumule pour qu'on les prenne au sérieux. Donc, vraiment, merci beaucoup. Sauf si vous avez d'autres questions. Ok, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, on ne va plus trop s'amuser avec le temps. Tous ceux qui veulent réellement parler, à partir des 15 minutes, vous devrez être là-dedans ou vous n'êtes pas là-dedans. Et donc, en toute sincérité, tous ceux qui ont appelé en dehors des 15 minutes, je ne vais pas les prendre. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher aîné. Allô? Oui, bonsoir, cher aîné. Comment bonsoir, allez-vous? Bonsoir. Oui. Oui. Ça va un peu. Dieu merci. Ça va. Dieu merci. Oui. Okay. Donc, vous avez la parole. Aujourd'hui, bon, j'ai une question pour vous. Je ne serai pas long. Mm-hmm. Et puis, bon, comment dirais-je, un mot sur la vie chère. Vous avez soulevé la situation qui est là, mais mon intervention aujourd'hui là même, c'est pour vous poser une question sur le découpage électoral. Mais laissez-moi saluer, comment nos auditeurs, je salue tout le monde, je salue les Mao, les Chao, je salue tous nos auditeurs en Europe, partout dans le monde, en Afrique, et je salue aussi tous les EPV. Le courage qu'ils entreprennent sur le terrain. Et je salue que la classe d'Abidjan, c'est ceux-là qui sont sur le terrain là-bas. Nous, on a l'essence, nous les encourageons. Et toujours, nous remercions encore les autorités qui sont prêts à nous recevoir à l'écoute de ce groupe-là qui, à toute fois que nous demandons à les rencontrer, vraiment, nous leur serons reconnaissant nos autorités. C'est ce que j'appelle l'esprit du travail partagé. Voilà. Quand le gouvernant écoute le gouverné, c'est ça, il peut
peuvent atteindre, on peut atteindre comme dirigeant un travail parfait. Voilà. Bon, donc, monsieur le procureur, je vais parler un peu, comment dirais-je, du découpage électoral. Mm-hmm. C'est la question que j'ai à vous poser. Mm-hmm. Parce que Fadou, fils d'Ado, a parlé quand en 2010, Babou s'est approché, comment dirais-je, du pouvoir. Et il a éliminé beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de régions dans le nord là-bas. Mmh, mmh. Bon. Et on a dépassé ça de manière subtile. L'opposition soulève le problème du découpage électoral. Mmh. Et c'est qu'il y a eu dialogue politique. Mmh. Il y a eu dialogue politique. Mmh. Mais le résultat de ce dialogue politique est resté politique. Mmh. Donc, et cet aspect de du découpage électoral, ça c'est une situation qui est là et ça va créer des problèmes un jour. Je connais mon gouvernement, ils n'aiment pas beaucoup diffuser les informations, alors qu'ils doivent parler de ça. Mais Dieu merci, la classe est là. Nous, on va leur tirer la lampe. Voilà. Ce qui est sûr, on va s'exprimer là-dessus. Parce que le découpage, la démocratie ne commence pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première des choses. Nous ne sommes pas le premier pays à être démocrate. Nous apprenons des autres. Éclairez, vous êtes aux États-Unis, à New York, même si on est 20 millions d'habitants, à New York, on a un quota. Les grands électeurs là, nous on a un certain nombre. Californie, ils ont leur nombre. Même si on devenait 40 millions, notre nombre là, le nom qu'on nous a donné là, grand électeur là, ça va rester. Donc, j'entendais comme quoi, en Côte d'Ivoire, un représentant du PDCI disait que non, le nombre d'habitants de tel quartier a augmenté, donc il faut donner plus de députés. Mais personnellement, je dis non. Si le nombre d'habitants de tel quartier a augmenté, et que ce nombre, cette population de manière certaine. Donc, ils doivent augmenter le budget, les infrastructures. Pourquoi on va augmenter le nombre de députés? La primaire est là. Parce qu'il y a eu, comment dirais-je, beaucoup d'étrangers venus là-bas. Parce que quand on dit le nombre a augmenté, c'est tout, mais pas Ivoire. Hein? Tout le monde est arrivé là-bas, donc il faut augmenter le nombre de députés. Non. C'est pas ça, c'est pas le rôle. On ne peut pas augmenter le nombre de vieux parce que le nombre de députés d'Atiekoubé ou bien de Port-Boué, parce qu'il y a eu, comme la population a augmenté à Port-Boué, non. La population demande comment plus d'aide, pas plus de députés. Ça, c'est autre chose. Mais donc, ma question est là, et si vous avez d'autres informations à propos de, concernant le dialogue, le résultat du dialogue politique, sur ce cas-là, vraiment, il serait très content de vous entendre nous éclaircir, parce que nous sommes les profanes. Bon, peut-être que vous connaissez plus d'autres choses que nous ici. Le deuxième point, c'est... Et si on allait directement avec la première chère. Et si on allait avec le premier, c'était pas mieux? Oh, d'accord, oui. Mmh. D'accord, donc je vous laisse la parole pour des éclaircies sur ce découpage, parce que moi je trouve que ça, c'est de manière subtile à revenir encore sur la situation de 2010. Mmh. Ok. Oui. Déjà, de prime abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on nous dit souvent, comparaison n'a pas toujours raison. Et en toute sincérité, comparer le système américain au système ivoirien, c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Parce que ce que vous dites, effectivement, dans le système américain, il y a d'abord le suffrage universel et qui est suivi par la sanction même du Electoral College. Ce qui veut dire que l'Electoral College, c'est-à-dire les super votants, ont un pouvoir qui est plus grand même que le suffrage universel, ça veut dire le vote de tout le monde. Voilà. Le vote populaire. Voilà, le vote populaire. Donc, c'est deux systèmes complètement différents. Maintenant, si cela est bien compris, revenons maintenant au cas spécifique de la Côte d'Ivoire pour comprendre les tenants et les aboutissants. La première chose que j'aimerais d'abord dire, c'est que nous sommes déjà dans un terrain politique. Et si vous vous souvenez de ce dialogue politique-là, si vous vous souvenez très bien,
quand il a été enclenché, les opposants, quand ils sont venus, les deux premiers jours, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils proposent. Vous savez ce qu'ils ont proposé? Non. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de proposition. Et ils ont demandé, je crois, une semaine ou bien un certain nombre de jours avant de se concerter pour avoir des propositions. Qu'est-ce que cela prouve d'abord? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucun sujet qui est réellement valide. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont réellement rien à proposer parce que c'est celui qui connaît quelque chose qui peut proposer quelque chose. Comment toi, tu t'en vas discuter avec un gouvernement et c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps, mais toi, tu viens les bras vides. Ça veut dire qu'en réalité, là, tout ce que tu viens dire, là, tu n'as rien à dire. Et quand ils sont allés se concerter, si vous vous souvenez très bien, ils sont venus d'abord tous, ah, c'est les prisonniers politiques, c'est comme si c'est comme ça. Vous vous souvenez ce que le ministre de la Communication leur a dit? Il les a recadrés sèchement pour leur dire que c'est déjà un grand privilège que le gouvernement leur accorde et que s'ils n'ont rien à dire, là, on peut fermer boutique et puis aller ailleurs parce que le gouvernement a du travail à faire. Et donc, s'ils n'ont pas de sujet, on peut passer à autre chose. Il les a tellement recadrés qu'il y a un même qui a été vidé même de la salle. À la réalité, pour vous dire la vérité, en tout cas sur la base des élections législatives du 6 mars 2021, le découpage électoral, si je ne m'abuse, fait 205 circonscriptions actuellement. Et comment le découpage est fait, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Mais je crois que ceux qui sont à la tête de la CEI, ce sont des juristes. Ils ne vont pas nous dire que non, ils se réveillent comme ça et puis ils font les choses dans le vide. Il y a d'abord un ratio de population par rapport à l'élu qu'on veut. Et il y a aussi la taille de l'espace. Ça veut dire la taille de l'espace, c'est quoi? C'est la totalité de la zone géographique. Ce n'est pas parce qu'une zone est moins peuplée que forcément, on va dire comme c'est moins peuplé, donc il faut lui coller peut-être un député sur peut-être chaque 100 000 habitants. Non, la logique voudrait que les populations effectivement peuvent s'accroître. Et donc, on peut faire le découpage pour éviter toute discussion. On peut faire le découpage en disant, bon, voici le ratio qu'il faut. Un député, c'est un exemple que je prends. Peut-être un député pour 200 000 personnes. C'est un exemple que je prends. Maintenant, si on doit le faire et qu'on passe au découpage, on en arrive à un schéma. Mais aussi, quand on tient aussi compte de la taille géographique même des zones, il est aussi important qu'on puisse accorder un certain nombre de députés, je veux dire, aussi en fonction de ce règlement-là. Je ne maîtrise pas exactement les éléments que le gouvernement, la CEI a utilisés, mais ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas un travail qui est fait dans le hasard. Et si on prend la CEI aujourd'hui et qu'on lui demande quelles sont les motivations et les mécanismes que vous avez utilisés, ils vont vous donner un mécanisme pour marcher avec la raison. Ils ne peuvent pas dire que c'est dans le vide qu'ils ont fait. Or, c'est cette impression-là que l'opposition veut d'abord donner. Mais des gens même qui n'étaient même pas préparés, comment ces gens peuvent savoir que le travail est faux? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont dans la CEI, ils sont allés aux élections législatives, pourquoi ils n'ont pas critiqué cette nomenclature-là? Et c'est maintenant, à la merci d'un dialogue, qu'ils viennent pour tout remettre en cause. Ce n'est même pas une attitude saine. Et je suis sûr que ceux qui ont fait ce travail-là, à la lumière des requêtes qui ont été effectuées, le gouvernement va leur faire appel aussi pour venir vérifier et pour voir si ce qu'eux, ils ont fait, c'est un bon travail qui continue, qui doit mériter d'être continué. Le gouvernement et la CEI en face de tout le monde va donner sa décision et on comprendra. Mais je peux déjà vous assurer d'une chose, on a des opposants les plus nuls au monde qui n'ont absolument rien à prouver. Tout ce temps qu'on est en train de perdre là, eux, c'est comment avoir de l'argent pour bien vivre et puis prendre le surplus pour préparer un coup d'État. Voilà, c'est toute la réalité de l'opposition ivoirienne qui est là. Sinon là, depuis quand vous avez vu cette opposition faire une proposition pour dire qu'il faut penser à la vie des Ivoiriens? Je n'ai jamais vu. Depuis quand vous avez vu cette opposition là faire une proposition pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Je n'ai jamais vu. Et la même CEI et le même découpage qu'ils ont critiqué là, c'est ce qui leur a permis d'avoir des députés. Et c'est avec ça aussi qu'ils vont aller conquérir des maires. Et donc,
Si vous avez pu avoir, au moment où vous êtes en train de concourir, vous ne vous êtes pas plaint, ça veut dire que les éléments que vous allez utiliser pour vous plaindre maintenant ne sont pas des éléments sérieux. Et malheureusement, c'est cette opposition-là qu'on a. Et on attend de voir la posture du gouvernement aussi. D'accord. C'est bien compris. Je crois que nous sommes sur la même ligne. Donc, mon inquiétude, il faut que le gouvernement arrive à expliquer quand même à un moment important. Il ne faudrait pas attendre au dernier moment. Effectivement, c'est très important. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est très important. Voilà. Il faut éclaircir. Il faut éduquer le peuple. C'est très important. C'est très important. Voilà. Parce que moi, mon travail que je fais à l'hôpital, l'éducation, c'est important. Même si la personne même a quelques jours pour mourir. Vous avez pu avoir, au moment où vous êtes en train de... Ça donne espoir. Vraiment, l'éducation est très importante. Ce qui m'amène à sauter sur la deuxième question, sur la vie chère, c'est la même chose d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, là, nous indexons le péage de Bassam, en plein sud. Un péage qui fait face à une zone internationale. C'est une route internationale. Et très, je peux dire, la plus active même de notre pays. Bon, donc, Dieu seul sait, avec le gouvernement, l'argent qu'ils ont mis dedans. Parce que, vous voyez, nous tous, nous parlons de on parle de développement. Développement, tous les pays développés ont une vie chère. Il n'y a pas de pays développé où la vie n'est pas chère. Mais, cette vie chère-là, pour atteindre ça, là, il faut une éducation. Il faut préparer le peuple de manière émotionnelle. Il faut expliquer, étape par étape. Par exemple, l'augmentation de ce péage-là, le prix de ce péage-là, la population est surprise. Même les intellectuels sont surpris. Pourquoi on est surpris? Parce qu'on n'a aucune information de ce qui s'est passé. On a vu une infrastructure s'installer. Nous avons appris, mais on ne se connaît pas, on n'a rien suivi, on n'a pas eu d'autres informations concernant création, la construction, et puis le but qu'on va atteindre, et puis quelles sont les sociétés qui sont engagées. Bon, donc, les sociétés sont différentes, ceux qui sont en train de travailler en Côte d'Ivoire, c'est différentes sociétés, ça dépend des matériels qu'ils utilisent. Il y a tout cela qui rentre en ligne de compte, parce que peut-être que sur la route de Bassam, plus d'énergie, la Côte d'Ivoire dépense plus d'énergie. J'ai vu qu'il y a plus de poteaux côte à côte pour éclaircir et rendre encore la Côte d'Ivoire plus belle aux étrangers qui arrivent pour la première fois. Bon, si ça, c'est des gains. Voilà, ça nous permet, on peut augmenter ce péage-là pour avoir plus d'argent avec les étrangers que peut-être la population locale même qu'on vit. Il appartient au gouvernement de faire pression sur, de protéger la vie, la société, comment dirais-je, les activités de la population qui se trouve à Brabassam, Bonoa et autres. Il faudrait que la population, le gouvernement, essaie de mettre pression sur ces transporteurs-là, pour ne pas que la population en souffre. Pour ne pas que la population en souffre. Parce qu'il faut que ça soit clair dans ce sens-là. Et par là, je crois que nos gouvernants pourront s'en sortir. Parce que s'ils restent muets et qu'ils nous lancent des prix, à péage passé par là, les zones sont différentes. Et les constructions, c'est les différentes sociétés qui ont construit. Et puis, les dépenses n'ont pas été les mêmes. Il faut qu'on explique en clair à la population pour pouvoir s'en sortir. Sinon, on serait surpris, tout le temps, on va se plaindre. Il faut préparer toujours le développement. Moi, je ne suis pas étonné si on dit la vie est chère à Abidjan, personnellement. Je vis dans un pays développé, je vis à New York. La vie coûte très cher dans la ville de New York, que presque partout. Il y a des blancs qui me disent, mais comment tu t'arrêtes de vivre ici à New York? Ouais, Américain même qui me demande à un Africain. Il dit, mais je vis ici, tellement que c'est cher. C'est comme Abidjan. Abidjan, ta vie, ça coûte cher. Si tu sais que comment dirais-je, tu n'as pas assez d'argent pour pas aller habiter en Grèce. Aujourd'hui, là, Alassane a ouvert, le président Alassane a ouvert la route. Tu peux même habiter à Zadier. À Zadier, la route, là, en 25 minutes, vous êtes déjà à Abidjan.
vous êtes déjà en pleine ville pour votre travail. Pour aller se le corps à Angry là-bas, où les maisons coûtent très cher. Il appartient à nous-mêmes, la population, de choisir là où il faut partir. Tout ça, ça demande une explication à la population. Vous voyez? Il faut dans ce sens-là, moi j'interpelle le gouvernement, vraiment, les actions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce bon boulot qui vient de se passer sur la route de Bassam bien tracée, bien aérée, mais vraiment, ça me fait mal que la population se plaigne sur quelque chose. Il faut qu'on explique. Voilà, il faut qu'on pense quand même à protéger aussi le ménage qui se trouve là et que c'est nos parents qui sont de l'autre côté. C'est vrai, l'infrastructure est très belle, on veut atteindre quelque chose, mais c'est des régions où la population ne gagne pas assez d'argent et il faut faire pression sur ces transporteurs-là. Voilà. Ou bien que le gouvernement favorise carrément les bus, les sautras là, à rentrer dans ces régions Bassam, à Bassam et à Boisseau, aller chercher nos parents. Si les transporteurs se mettent à augmenter en 2 ans. Voici mon point, monsieur l'éclaireur. Mm-hmm. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à ajouter aussi, pour rassurer mes idées, c'est la classe. Mm-hmm. Chacun a ses milieux. Mm-hmm. Donc, vous pouvez voir aussi autrement. Effectivement, ce que vous dites, vous avez bien dit. Et c'est ce que nous avons même dit dans un des éditos. On a parlé même du déficit de communication. Je crois que c'était hier. Et c'est tellement important. Voyez-vous, quand les choses sont faites dans l'art même de la communication, souvent même les choses les plus difficiles, on peut préparer les esprits, expliquer et atténuer les effets de régimes même des lois ou bien même des propositions. Voyez-vous, les Ivoiriens ont vu comme ça, c'est pris là sur les réseaux sociaux, hein, et avec tout ce qui va avec. Et les gens ont senti que ça leur a été imposé sans la méthode et autres. Et surtout, quand je regarde le contexte global actuellement, de grandes difficultés économiques pour les uns et les autres, tout cela aussi participe même à la réaction que nous assistons en ce moment. Mais la meilleure arme demeure la communication, surtout aussi la négociation, pour essayer d'harmoniser les points de vue. Je crois que c'est très important et c'est ce que vous avez dit et c'est ce que nous attendons même du côté de la part du gouvernement. Écouter, négocier et trouver un terrain d'entente qui fasse satisfaction. Parce qu'en toute sincérité, on n'a pas besoin de mouvement d'humeur de la population, encore moins des situations que cette opposition pourrait instrumentaliser pour encore créer des troubles inutiles dans le pays. Nous, c'est surtout là que notre communication porte. Je n'aimerais pas que le gouvernement donne du bâton à ces incapables opposants-là pour pouvoir faire du bruit inutilement dans le pays. En tout cas, merci. C'est le point, c'est essentiel. Mm-hmm. Je crois que les gouverneurs vont nous entendre là mm-hmm. et ils sauront comment communiquer avec la population de Bassam à Boisseau, mm-hmm. croiser les maires mm-hmm. et leur expliquer. C'est le développement. Quelque part, on fait des sacrifices, on accepte et ainsi de suite. Avec le temps, je crois qu'on pourra s'en sortir. Mm-hmm. Merci, le peureux. Je vous laisse, la liste est longue. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci du temps que vous nous accordez. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous de même. Je vous en prie. Merci beaucoup. Okay. Allô? Allô? Allô, bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir, le cyclone, comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Et la famille? La famille va très bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège. La journée, ça c'est bien. Amen. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Ok, éclairé, d'abord, je vous dis bonsoir à toute la famille. Mm-hmm. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République, notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous.
Bonsoir, monsieur le vice-président, M. Tchimou Mélé de Kone, notre père à tous. Bonsoir, madame la vice-présidente, notre mère à tous. Chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, vous êtes salué. Bonsoir. Bonsoir, ministre de la Défense, M. Tchene Ibrahim Ouattara. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, M. Vahoudou Diomandé. Bonsoir à tous les généraux, tous les officiers, tous les soldats d'Iran, tous les Ivoiriens, je vous dis bonsoir. Éclairer ce soir, ça ne serait pas bon, hein, franchement, parce que, en toute sincérité, j'ai entendu le président de coordination des gares routières, qui est M. Touré Adama. Oui. C'est un vieux père que je l'aime bien. Je le respecte beaucoup. Et j'ai été son bon petit. Pas de gauche à droite. L'intervention qu'il a fait, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est moi, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Je vais m'expliquer. Éclairer, ils sont censés, ils sont présidents dans les cas routiers. Et ils sont responsables des chauffeurs. Il y a Djakite Yankouba, il est président des chauffeurs. Il y a Diallo qui est sur la ligne de GESCO, il est président des chauffeurs. Il est président sur la ligne de GESCO, mais là, il est à la Texaco, en face de Gendarmerie Agba, Ka Agba. Il y a Soloba, Sangare, père à son âme, lui, il est décédé, qui était à Bobo, il était président des syndicats chauffeurs. Toumse, qui est notre frère, père à son âme, qui est décédé, il était président, lui, il était de côté patronat. Éclairé, je ne veux pas tout les citer, mais je vais aller direct, je vais le dire, et je veux qu'il n'ait qu'à écouter, il va savoir qui est en train de parler, et il va, je vais lui dire la vérité. En tant que président des syndicats chauffeurs, vous êtes censé à défendre les chauffeurs. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste, parce qu'on paye les droits à chaque fois qu'on démarre nos voitures, on paye droit. Pour eux. Et il y a des caisses des syndicats chauffeurs, il y a des caisses des chauffeurs. Et ils sont nos représentants. En temps normal, entre nous et l'État, c'est eux qui devaient parler. Mais ils ont failli à l'émission. Ils sont venus pour leur propre intérêt. Ils n'ont jamais défendu un chauffeur. Ils n'ont jamais défendu un transporteur. Mais à chaque fois, il y a une occasion qui se présente. Un sort, un don, il veut venir parler. Non, moi j'ai dit oui à M. le Président d'avoir fait le pont, de donner 1000 francs. Monsieur le Président, merci. Moi je préfère payer les 1000 francs à un 1000 francs retour. Syndicat, chaque voyage, 1500, on peut dépasser tout de suite 1000 francs par jour. C'est ça le vrai point. Le président avait un pont. Et d'abord, éclairé, cher auditeur, je ne veux pas ménager. D'abord, je ne veux pas parler du président. Je veux parler de elle. Avant de finir une œuvre de président qu'il nous a donnée. Éclairé, cela, c'est le profiteur. Cela, ils ne sont pas clairs. Et c'est celle-là qui poissonne de tous les chauffeurs en Côte d'Ivoire. Les chauffeurs souffrent. Ils n'arrivent même pas à mettre leurs enfants à l'école. Il y a d'autres, mais je ne peux même pas payer une maison. Et en réalité, tous les chauffeurs qui sont au courant de eux-mêmes là, ils ont tous laissé Bara à cause de ces syndicats-là. Tous les numéros qu'on voit là, ce sont ceux-là qui les placent. Et aujourd'hui, on dit Dieu merci. Le développement est venu. Le président a fait les péages partout. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont parlé. Parce qu'on dit Dieu merci. On peut parler maintenant avec un président. Il fait un truc. Non, on dit non, monsieur le président, c'est un peu trop faux voix. On discute. Il va accepter pour nous. Soit nous, on accepte pour lui. Ça va si un. Pas comme les présidents qui sont passés avant. Même si on te voit avec photo de ton leader, on te tue, on t'assassine. Non, non, non. Maintenant, le président fait, il veut 6 milliards. Nous, la population, on se lève. On dit non, président, c'est trop. C'est trop. Et puis, il n'y a rien. Il nous écoute. Soit ça reste sur les 1000 francs pour les prix qu'ils ont donné.
soit il accepte ou non. C'est une négociation. Et c'est un travail qui a été fait. Moi, je ferai pas. Voilà ma proposition aujourd'hui. Je dis les transports. Je n'ai pas dit les personnels. Je dis bien transport. Chers auditeurs, écoutez-moi bien. Je dis les véhicules de transport. C'est ça que je veux parler. Je ne parle pas de personnel, voiture personnelle. Non. Oui. Voilà ce que moi je veux. Voilà ce que je propose. Président, monsieur le président de la République, ministre de l'Intérieur, ministre des Transports et tout le gouvernement, faites un effort à niaiser les syndicats là. Pour là, et puis vous montez, faites 1500 ans. Parce que là, par jour, il y a chaque nos camions peut payer 17 000 francs. Et on ne sait même pas où ça va. Depuis nous, on est apprenti, depuis nous, on n'est pas né. On est né, être apprenti, être chauffeur, être propriétaire, voyager, ils sont toujours là. Ils n'ont jamais rendu compte. On rousse le guidon, ils ne payent jamais impôt. Moi, je ne veux pas avoir laisser la leur bouche après les. C'est nous, on va revendiquer. C'est nous, on va dire, président, c'est trop. Président va nous dire, je vais diminuer ou je ne diminue pas. Avec nous, pas, on n'a pas besoin de malhonnêtes pour venir parler dans notre. Oui, monsieur le président, je vais être sincère. Chaque baraque qui est à Abidjan peut dépasser 17 000 francs par jour. C'est moi, j'ai parlé. Petit, sur le site, tu prends deux passagers, tu donnes 200. Tu vas aider ça. C'est comme ça. Et au chargement, droit de ligne, billets, et tous sont les tickets, on vend, tout cela. Et puis, Bracodi à jamais, fait versement. Je ne sais pas s'ils ont augmenté maintenant, ou si ça a diminué, sous nos chacun des haies là, ils ont un jour là-bas, chacun prenait 1 800 000, après rançon de tous les parapos qui viennent encaisser l'argent. Et que là, c'est moi qui te dis, pour te renseigner. C'est rançon là pour nous défendre. Non, je ne crois pas. Ils nous cachent à niveau dans notre truc. On va parler directement avec les autorités. Ils vont nous écouter, ils vont nous entendre. Parce que nous sommes les acteurs. Là où je vous parle, là, tout le programme d'aujourd'hui, je connais au pays. Si c'est pas là, je connais. C'est des manipulateurs. Et ces gens, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas là pour nous défendre. Donc, ils nous cassent à niveau dans notre truc. Nous, on ne les reconnaît pas comme les syndicats. Nous, on demande à l'État d'annihiler tous les syndicats. On a des 1000 francs. Augmenter, on va 1500. Voilà la proposition que moi j'ai fait. Éclairé, je dis merci à monsieur le président d'avoir fait le péage. Oui, où on est en train de discuter. Malgré tant de milliards investis, nous on dit on ne veut pas. Le président n'a pas chassé quelqu'un. Il n'y a pas qu'on a bien derrière quelqu'un. Et je suis sûr que monsieur le président, il sait. Il va accepter pour nous. Soit nous on accepte pour lui, c'est des choses. Et puis il n'y a pas de débat, on avance. Donc, si c'est côté éclairé, je voulais parler, ministre des Transports, monsieur Mamadou, connaît, c'est un bien que je t'aime. Mais on vous a dit, on vous a alerté, on dit, les syndicats, les raquettes, il dit, mettez brassé tout ça là, ou montez péage. Je dis, nous on va payer. On a dépassé 20 000 francs. 25 000 francs, allez, voyous, où on ne sait pas, où la région ne sait pas. On préfère donner à l'État pour construire nos pays pour l'avenir de nos enfants et de tout le monde. Et en toute sincérité, on ne finit pas d'apprendre. Et on ne s'est pas trompé. Chef frère, qui est venu parler sur le péage de Boaké, les deux péages, en tout sincérité, c'est vrai, c'est la vérité. Moi, j'ai roulé dessus en 32 places. J'ai roulé dessus en remorque. J'ai roulé dessus en voiture. Je connais le prix. C'est vrai. Ça nous a échappé. Mais je peux dire aussi que ça ne nous a pas échappé. Mais chaque chose à son moment. Chaque truc à son moment. Il y a des trucs qu'on peut faire ça cadeau. On se plaint même. Mais il y a des trucs qu'on peut faire ça cher. Et puis on paye. Si on a parlé, ce contenu de l'évolution du monde. Mais ce n'est pas aussi grave. C'est pas aussi grave. Inch'Allah, on va négocier avec le gouvernement. Ils vont nous écouter. Il n'y a pas bras de fer dedans. Nous, on n'a pas besoin d'opposition pour venir nous aider. Nous, on s'en fout de eux. Si même eux ne parlent dedans, moi, personnellement, je vais aller côté. Parce qu'eux, à l'état, comme Katina Kone, avec sa vilaine tête, qui parlait de pompéage,
Vous, à Ouattara, vous avez fait quoi? Le président a fait université, il a fait hôpital, il a fait le goudron, et il t'a pris maintenant voyou là, qui a volé l'argent du pays. Vous avez assassiné les gens, il t'a donné le travail du pays. Vous, à Ouattara, vous avez fait quoi? Mais comment dire, chemise de leur leader, on ne pouvait pas voter. Et au finish, on a déserté Abidjan parce que vous avez assassiné beaucoup de gens. Vous avez fait les charler. Vous discutez aujourd'hui pour les Katina. Oui, vous parlez. Mais ce que vous avez créé là, si elle vivait, j'allais parler. Toi, malhonnête politicien, vilain type, nous, on est au courant de vous. Tout ce que le président fait là, c'est bon. Ça nous arrange. Et on va payer. Si une négociation passe par là, on va payer. On s'en fout les restes. Chers auditeurs, si elle parlait comme ça, je me suis auprès de vous. Mais on est dans nos combats. Il n'y a pas salité qui va venir se déranger à nous ici. Jamais. Même les opposants là. Et ils ne font rien. Ils devaient faire tout pour aider le président à construire. Mais c'est eux qui détruisent. Et c'est eux qui assassinent. Et ils n'ont même pas encore renoncé. C'est quelle leçon ils vont nous donner? Laissons-nous tranquilles. Éclairer. Je suis sûr et certain que, au nom de Dieu, tous les Chao, tous les Mao qui parlent sur la plateforme éclairer pour vérité, au nom de Dieu, je sais que. Il n'a pas besoin de dire que je sais que même. Tout ce qu'on a dit ici, là. 699, ça c'est réalité. Éclairer. Donc, opposants, quittez les dents. Cher gouvernement, ministre des Transports, vous êtes quelqu'un, on vous aime très bien. Oui, vous êtes un pâtissier, vous êtes courageux, mais en réalité, Touré Adama vient de dire quelque chose, que depuis ils sont quittés au Maroc, ils sont venus, la porte a été fermée. Et il n'a pas dit la vérité. Éclairer, j'ai envoyé un ici, sur la plateforme, où beaucoup d'hommes sont au courant. Il est venu témoigner. C'est mon ami de longue date, qui s'appelle Touré, Sanogo Tayo. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait? Mais il est allé au Maroc. Quand il est venu, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a raconté le connerie. Mais si moi, j'étais quelqu'un d'autre là, j'allais rentrer dedans à cause de l'argent. Je lui ai dit que moi, là, j'ai parlé devant le monde entier. Le monde entier m'attend. Si tu ne plais pas, tu veux sortir et t'allumer. Et puis, je sais que ça serait rambat. Et puis, je veux venir. Dieu merci, ils sont venus. C'est le même Boïda. C'est lui là qui a trahi, mon, qui m'a détourné de commander mon ami. Regardez-moi. Quand ils sont venus, les gars, les ont fait rêver. On va vous mettez-vous ensemble, on va vous donner tout. Rien, ils ont donné. Et ils ne peuvent pas parler. Ils sont là. Et en toute sincérité, ils m'appellent. Quand ils m'appellent là, je dis on parle de autre chose. Pas de transport. Donc, éclairer, je vous dis merci. Vous êtes quelqu'un de véridique. Moi, éclairer, j'ai dit ça là. Chaque gouvernement, les syndicats tombent sur nous à la gare. On ne sait pas comment vous parler. Si tu parles, ton commerce ne charge pas. Ça va carrer des sous. Il faut être dur pour les emporter. Et je les ai emportés il n'y a pas longtemps. On est pris en piège par eux. C'est les chanteurs. Nous, on préfère payer pour péage 1500 que de dépenser 22 000 francs de voyous. Chère autorité, aidez-nous. Mais ministre des Transports, M. Amadou Kone, moi, je ne vais pas vous mentir. En toute sincérité, je vais vous parler. Les gars ont mis beaucoup d'eau dans l'air, Niamakou. C'est grâce au président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, sur le chauffeur là. C'est qui est dans les guerres. Si tu connais, tu vas faire face. Mais il faut faire face dès maintenant. Ça serait très important. On vous a dit, vous faites un bon travail. Vous êtes quelqu'un de respecté. Mais ceux qui sont autour de vous, c'est des sorciers, c'est les mafias. Ils ne pourront jamais changer. Il faut te débarrasser d'eux. Même si ce n'est pas facile, il faut changer de stratégie. Il faut être dur. Sinon, ils ont une caisse qui est là. Depuis nous, on n'est pas né. Il y a l'argent, on met dedans. Caisse-là n'a jamais été remplie. Mais tout ce qu'on regarde, il n'y a rien dedans. Ça veut dire que quand on met dedans, ça soit en bas. Donc, éclairer, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Si la ligne est là aussi, je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à l'écoute. Le cyclone, je vous dis merci.
parce que nul n'est suffisamment docte pour connaître tout dans la vie. Et Dieu merci que ce monsieur qui a parlé, vous le connaissez et vous nous évoquez certaines réalités. Et le monsieur même, s'il nous entend, il peut même venir aussi sur la plateforme pour faire une confrontation avec vous. Mais une chose qui est évidente déjà, vous avez dit quelque chose qui est très utile. Vous avez dit le côté néfaste des syndicats dans l'augmentation des prix, dans le désordre même dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois qu'on évoque cette question ici. Aujourd'hui, les prix connaissent une anarchie. Les prix connaissent un désordre parce que les syndicats veulent se nourrir plus que les propriétaires de véhicules. Et ça, ça pose un problème qui est très difficile. Et tant que le ministère du Transport ne va pas prendre le taureau par les cornes, ça ne fera que créer plus de désordre, ça ne fera que créer plus de problèmes aux Ivoiriens. Si je prends par exemple votre expérience, vous avez dit, en fonction de votre expérience, les 1000 francs n'auraient pas été un problème s'il n'y avait pas des sommes exorbitantes que les transporteurs devraient payer aux syndicats et aux autres. Oui. Voilà. Et ça, je crois que déjà, moi-même, je n'avais même pas pensé à ça. Mais je crois que tôt ou tard, il va falloir qu'un jour, le gouvernement ivoirien traite définitivement le problème des syndicats. Parce que les syndicats même sont une gangrène et pour les chauffeurs, et pour les propriétaires des véhicules, et pour l'État lui-même. Comment quelqu'un qui a payé sa voiture, quelqu'un qui se lève le matin, qui dit non, lui, les syndicats, parce qu'il compte un peu sur ses kilos de muscles, lui, il gagne plus que. Tu dis que le monsieur, il se prend un million et quelques par jour. C'est quel propriétaire de voiture qui peut avoir ça? Ça veut dire qu'il y a un mal qui est très profond. Et c'est à partir d'un problème qu'on peut découvrir d'autres. Nous allons, comme je le disais, le gouvernement a fait ce péage-là. Aujourd'hui, il y a un problème qui est là. Les populations ne sont pas contentes du prix fixé. Et nous demandons au gouvernement de revoir le prix. Ça, c'est quelque chose, ça allait exister, que les syndicats soient là ou pas. À partir du moment où le péage a été construit, ce problème-là allait être là et c'est pourquoi il est là aujourd'hui. Mais c'est nous les Ivoiriens qui allons payer. Et donc c'est nous qui allons assumer le poids du réel. Et celui qui va porter un bagage là, dès qu'il crie que c'est lourd là, c'est mieux de l'écouter. L'État ivoirien dans un premier temps peut faire du dumping. On diminue les prix pour maximiser, pour accroître le nombre de passages. Encourager les gens à utiliser ce passage-là. Et de toutes les façons, l'État rentrera dans ses fonds puisque tous les Ivoiriens ne peuvent pas mourir un jour et en une seule journée. Et le monde va toujours continuer de fonctionner. L'État rentrera dans ses fonds, quelles qu'en soient les circonstances. C'est ce que l'on essaye d'expliquer aux uns aux autres. Mais, d'autre part, il y a beaucoup, on ne travaille pas pour être un mouton. On travaille pour pouvoir s'en sortir. Mais si les syndicats gagnent plus que les chauffeurs, si les syndicats gagnent plus que les propriétaires de véhicules, si les syndicats gagnent plus que l'État lui-même, les syndicats c'est qui? Et comment sont-ils constitués? Et quel est leur rôle véritable? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la circulation de l'argent, quand on ne maîtrise pas toutes les ramifications, on peut créer des forces parallèles, des forces paramilitaires, des forces qui peuvent rouler à contre-courant de la réalité. Et ça, le gouvernement doit en tenir compte aujourd'hui. Parce qu'un secteur où il y a une zone de désordre, le désordre peut conduire à quelque chose qu'on n'avait pas espéré. On voit aujourd'hui le financement du terrorisme et autres. On ne sait jamais. Quand Berthe nous dit qu'il y a des caisses qui sont là, tout le monde voit l'argent rentre dans la caisse, mais tout le monde voit aussi que l'argent n'est jamais dans la caisse. Ça veut dire que l'argent va quelque part. Et le gouvernement gagnerait à bien comprendre cette situation-là, à calculer les risques. Et s'il faut mettre fin à cette histoire des syndicats,
Parce que les syndicats, ils agressent, hein, et les chauffeurs et les passagers. C'est devenu un problème terrible. Et ils font la loi avec les prix, comme s'ils étaient plus forts même que l'État et le ministère du Transport. Monsieur Berthier, merci d'avoir évoqué ce fait. On espère bien que les autorités vont écouter. Parce que ce qu'on dit là, nous, on n'a pas dit qu'on a le monopole de la vérité. Mais à partir d'une parole, d'autres choses peuvent subvenir et puis on peut voir des réalités. Et nous disons qu'il faut regarder le problème dans son entièreté et profiter d'une situation pour régler plusieurs problèmes. Ça aussi, l'efficacité. Et ça sera aussi très important. Vraiment, merci beaucoup, M. Berthet. Ouais, éclairé, oui, pour finir rapidement, je vais éclaircir un petit point avant de laisser la tête, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Éclairé, par exemple, tu prends ta voiture comme ça, matin, tu viens, tu rentres à la gare. Tu donnes ton numéro, ils écrivent ton numéro. Si tu dois charger, l'argent va quelque part. Tu prends ta voiture comme ça, matin, tu payes d'abord près de 3 000 et quelques. Tu payes bien les jours. Bien syndicat. Syndicat patronat. Syndicat transporté. Droit de la gare. Et tu payes les chargeurs. Ton premier chargement reste là-bas d'abord. Où tu t'en vas là, par exemple, si je cherche pour aller à la Bida, ou bien à Bukate, ou derrière, ou en d'autres, de la manière que je fais, comme je dirais, à la gare pour charger là. Je peux faire la même chose là-bas aussi pour retourner. Donc, le voyage, au lieu de 12 000 francs, tu peux dépenser 9 000. Ton premier voyage. Maintenant, tous les voyages, maintenant, tu payes 1 200. Donc, comptez, chers parents. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir. Et j'ai parlé. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à appeler sur le direct. Éclairé va m'ajouter. Je vais le prouver. Et si M. Touré aussi nous entend, je crois Touré Adama, si ça aussi, ça lui parvenait, s'il veut, il peut appeler aussi. Comme je l'ai dit, on va vous mettre en confrontation aussi. Ok. Il ne faut pas qu'il parte dire qu'on l'a critiqué ou bien qu'on a parlé derrière lui. On n'a pas parlé derrière lui. Il a tenu des propos publics et on les a joués ici. Et c'est à la suite donc que vous avez basé votre expérience pour bien nous expliquer de quoi il est question. Et donc de la même manière éclairé, publique. Oui, oui. Si il t'appelle, il faut dire c'est un bloc qui a parlé. Il me connaît. Je l'ai dit pour lui donner et boire. Depuis 20 ans, je le connais. Ah, il n'y a pas de problème. Première marche, on a fait là, où ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le 11e, il était élu là-bas, dans la boîte là. Faut le dire, quand j'ai parlé, cabine. Donc, éclairé, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on dit merci à le président de nous aider ce côté. Puis le péage, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Même s'il a augmenté en pays, on sait de quoi on parle. Donc, merci à tout le monde et ça le coup. Merci beaucoup, M. Berthet, et vous passez une excellente soirée. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons passer au dernier intervenant, qui est le roi du printemps. Il sera la toute dernière personne aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir frère, comment ça va? Ça va très bien, cher frère, et toi-même? Oui, je vais bien. Dieu merci. Et la journée à Abidjan? Oui, la journée s'est bien passée. Dieu merci, que Dieu nous protège toujours. Amen, amen. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Voilà. Dans un premier temps, je dis bonsoir à tout le monde. Et je dis bonsoir à M. Berthet. Je lui dis merci
remercier pour son intervention. Et je dis bonsoir à Bizan Fossin Mohamed Papa, à Bouakar Traoré, et notre mère Massata Blanc. Et je salue Abdoul Chamba Delmas. Et je salue l'aîné Tanguy Katies, Moussa Traoré, et le doyen Mamadou Fatiga, l'aîné Adama Poli et Zana Bamba. Je salue Abou Parc Bis, Andrea Bopé. Merci beaucoup, cher frère Brenadio Voltigeur. Je salue notre mère Martin Théa. Et je lui dis merci infiniment pour tout le temps qu'elle accorde à la table de guerre pour vérité. Soit, chère mère, soit saluée. Et merci beaucoup pour ton travail. Et Moussa Ouattara, Kass Ouad, Mininya Sissé, Aline Bakayoko, merci beaucoup. Et Koudado, le plus souriant des souris, la merdeur au travail. Moi, je ne sais pas pourquoi il est dans notre plateforme. Là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais quand même, merci beaucoup d'être présent. Et je salue Sindiata, le conférent, et Suleiman Berthe. Et sans oublier Mahmoud Ganam. Et je salue notre mère Adi Mepertiti. Et Jean-Pierre Koudou, merci beaucoup d'être là. Et j'allais quand même encore. Et saluer notre mère Atissi Moyé, notre mère Aminata Kamagate, et saluer Kadjoweli Yo, merci beaucoup, Pérelé. Et je n'oublie pas toutes les personnes qui sont connectées, et merci beaucoup d'être là. Et j'allais dire merci beaucoup à toutes les personnes qui ont eu à intervenir, commençant par Adopis, qui a fait en tout cas une belle intervention, comme d'habitude. Et je dis aussi à tous les élèves que ici, nous sommes ici pour dire la vérité. Et cette vérité-là, elle n'est pas linéaire, quel que soit les différents sujets, c'est la plateforme des contradictions et la plateforme du respect de l'autre. Et c'est ce que nous avons toujours fait ici. Et en tout cas, moi, j'allais dire à tous les élèves de quelques côtés où là où la personne se trouve, que cette plateforme-là est la plateforme de tout le monde. Et chacun peut venir dire à moi est-ce que la personne puisse apporter une contribution constructive à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup à toutes les personnes. Et j'allais me prononcer un peu sur le PR de Grand Bassam. Et vous savez que c'est cette situation-là qui est aujourd'hui à la une et au sein de la population ivoirienne. Et aujourd'hui, nous avons, quand tu regardes un peu l'ouvrage qui a été fait, et franchement, l'ouvrage est de qualité, l'ouvrage est bel, mais quand on met un péage, je crois que c'est dans l'objectif de pouvoir encaisser de l'argent pour rentabiliser l'investissement qui a été fait, et puis aussi au-delà de l'investissement qui a été fait, c'est aussi récolter les fonds pour pouvoir entretenir cette route. Et ça, nous sommes conscients de ça. Mais ce qu'il convient de noter, c'est que les prix qui ont été fixés ne font pas à l'assentiment de la population, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai, on peut me dire que ce n'est pas tout le monde, comme d'ailleurs, ça a été toujours comme ça. Quand il y a une situation comme ça, il y a d'autres qui épousent la situation. Par contre, d'autres trouvent que ce n'est pas le meilleur moment. Et aujourd'hui, c'est le cas du PS de Grand Bassam. La fois passée, j'ai vu intervenir ici et j'ai parlé du grand habitant qui prenait en compte Grand Bassam et Aboisseau.
Aujourd'hui, j'ai pu écouter, il y a un intervenant qui est venu qui a parlé de DPA sur l'autoroute du Nord. J'ai eu une discussion avec des aînés sur ce cas, je crois hier ou bien avant-hier. Et ils m'ont même parlé de ce qu'il y avait DPA sur l'autoroute du Nord. Et je leur ai dit oui, effectivement, il y a DPA sur l'autoroute du Nord. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas confondre tout et il ne faut pas faire cette comparaison. Mais quand on a vu ce que le ministre a dit, on veut nous faire croire que c'est une route internationale et que c'est bien, il faut payer. Mais moi, je pose aussi la question de savoir si la route du Nord n'est pas une route internationale. Puisque quand on sait très bien que cette route-là part jusqu'au Nord, mais on ne peut pas me dire que ce n'est pas une route internationale. Et moi, je dis, je m'inscris en faux sur ce que le ministre a dit. Peut-être qu'ils pourront venir nous apporter d'autres, en tout cas, d'autres explications. Mais cette explication-là, moi, je ne la prends pas. Et en tout cas, c'est son droit de le dire. Mais le prix qui a été fixé, moi, je ne rentre pas dans ce que Verté a dit. Verté, il a raison de le dire. Moi, je ne suis pas de la corporation des transporteurs, ni de, comment on appelle, de la corporation de la coordination des gares routières. Mais il y a une chose qui tape, qui frappe à l'œil, c'est que c'est le prix de 1000 francs qu'ils ont fixé. C'est ce qui n'est pas du goût des populations. Et que quand tu regardes, cette situation-là va répercuter de façon négative sur la population. Et c'est de ça que moi je parle. Sinon, le problème que Verté a évoqué, effectivement, tout le monde sait que les syndicats sont là pour s'enrichir et ils ne regardent que leur intérêt. Mais l'État est conscient de l'existence de ces syndicats. Mais pourquoi l'État laisse ces syndicats-là fonctionner en bonne et due forme? Et ça aussi, cette question-là mérite d'être posée à l'État. Parce que si l'État c'est que ces syndicats-là s'enrichissent rien que pour leur intérêt, et ils ne se soucient pas de l'intérêt des chauffeurs, mais l'État aurait dû prendre des dispositions ou encore des sanctions à l'encontre de ces syndicats. Mais l'État les laisse sévir. Ça veut dire que l'État est conscient de leur fonctionnement. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, nous avons vu. Le transport a été augmenté. Parce que moi, ma première intervention ici, le jour où le ministre a donné les prix, moi, je suis venu ici et j'ai même dit, j'ai été clair. Et j'ai pesé bien mes mots avant de parler. Et j'ai dit comme ça que ne soyons pas surpris qu'à l'avenir, les jours à venir, que les transporteurs, comme nous le savons, ils sont malhonnêtes et les vitraux sont encore là. Si j'ai trouvé le jour, moi, je vais dire à éclairer de couper cette partie-là et de mettre ça à la disposition des gens. Et j'avais dit dans mon intervention, parce qu'ils profitent d'une situation, c'est des gens qui veulent toujours augmenter le transport. Mais quand il n'y a pas de situation, ils ne peuvent pas augmenter. Mais ils profitent toujours d'une situation pour pouvoir augmenter le transport. Et j'avais bien précisé cela. Et donc, aujourd'hui, je viens de donner l'occasion à ces transporteurs-là d'augmenter le transport. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous tous on sait qu'ils sont malhonnêtes, mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Aujourd'hui, c'est la population qui va payer les frais, mais qui va parler? Mais est-ce que l'État va diminuer le prix pour permettre à ces transporteurs malhonnêtes-là d'enlever le surplus qu'ils ont mis sur les tarifs habituels sur l'arc Grand Bassam, à Boisseau, et Bonnois jusqu'à Noé? Donc ça, la question-là, elle mérite d'être posée à l'État de Côte d'Ivoire, et aussi aux transporteurs. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle, le transport de Bonnois qui était de 700 francs est allé à 900 francs. Et voire même, vous n'avez même pas dit 1000 francs. Vous n'avez même pas dit 1000 francs. Et donc, quand moi j'ai vu ça là, voilà pourquoi nous étions dans l'anticipation, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas notre ligne de communication. Nous, on n'est pas contre le fait que on ait fixé les prix du péage, on n'est pas contre. Mais quand même, il faut tenir compte
de la réalité que les populations vivent. Parce qu'on ne peut pas vouloir lutter pour les populations et puis en même temps augmenter ce qui pourrait faire mal à cette même population-là. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'opposition a échoué sur toute la ligne, mais ce sont des petites occasions comme ça que cette opposition-là va prendre pour faire chanter les gens et pour faire campagne avec ça. Mais nous avons dit que ce n'est pas bon. Moi, je le dis honnêtement, même si on dit que les transporteurs sont malhonnêtes, le président de la coordination des cas routiers, Adama Touré, moi j'ai vu sa conférence de presse et il a dit, moi je ne dis pas qu'il a tort, moi je peux même dire qu'il a raison, puisque le péage de l'autoroute du Nord, ils avaient été associés et ils ont eu des réunions avec le ministère des Transports ou encore avec le FER. Mais après, ils n'ont plus été associés, puisque ce sont des acteurs du transport. Ceux-là, ils sont là, c'est eux qui sont dans ce milieu-là. Quand il y a une situation comme ça, il faut les approcher parce qu'on sait que c'est des malhonnêtes. Quand vous allez faire ça, eux, demain, quand ils vont venir parler, ils auront raison. Et aujourd'hui, c'est le cas de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Moi, je prends les vidéos et moi, je dis qu'ils ont raison. On aurait dû les associer et leur faire comprendre pourquoi il faut fixer le péage de Grand Bassam à 1000 francs et expliquer tout. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ils ont pris et voilà, les gens sont en train de parler. Et tout le monde sait que c'est pas simple. Et nous avons encore parlé de certaines situations. Et je crois que quand tu regardes un peu le fonctionnement de notre gouvernement, et nous le chantons tous les jours, et on va continuer de chanter ça tous les jours. Le seul bémol du gouvernement du président Alassane Ouattara, c'est que c'est le déficit de communication. Et le gouvernement ne communique pas à temps. Et ils attendent quand la situation est gâtée, quand ça commence à faire des remis minages, c'est en ce moment-là qu'ils vont sortir pour venir expliquer des choses à la population. Mais vous pensez que les gens ont suffisamment le temps de comprendre la situation que vous venez expliquer? Il faut le faire à l'avance. Préparez les esprits de la population à accepter ce que vous voulez faire. Mais faire des campagnes, faire des sondages, et ça manque beaucoup à notre gouvernement. Il faut avoir le droit de le dire. Donc, cette situation qui est arrivée là, le gouvernement n'a qu'à s'en prendre, en tout cas à lui, et laisse les gens tranquilles. Moi, je pense que les jours à venir, le gouvernement va se pencher sur cette question-là, appeler le syndicat de tous les syndicats qui existent dans le milieu du transport pour venir les expliquer et faire des campagnes. Sinon, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait fixé des prix pour payer avant de passer. Et ça, c'est comme ça, ça se passe dans les pays. Mais au niveau communicationnel, ça, il faut noter ce fait-là. Le gouvernement est échoué sur ce fait. Il faut se réveiller et puis expliquer les choses à temps. Il ne faut pas attendre. Parce que quand vous regardez, quand le ministre vient sur le PIAI, et c'est sur le PIAI, les journalistes lui posent des questions et c'est en ce moment qu'il va se lever pour expliquer certaines choses. Mais il a fait ça de façon tardive. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, il a fait ça de façon tardive et qu'il ne peut pas venir sur les antennes pour venir dire que c'est le président qui a fixé les prix. Les prix-là ne peuvent pas être fixés par le président, ce n'est pas ses prérogatives. Le président n'est pas le DG du fer. Le président n'est pas le gouvernement. C'est vrai, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes le ministre des Transports. Si vous avez fixé de commun accord le prix avec comme on appelle, le fer, vous ne devrez pas dire aux gens que c'est le président qui a fixé. Vous voulez mettre la population sur le dos du président. Moi, je dis non. Mais si le ministre, vous avez fait là une fausse route. Et vous n'avez pas été professionnel dans ce que vous avez dit. Vous ne devez pas venir dire ça, que c'est le président qui a fixé le prix. Et moi, je m'inscris en faux. Ce n'est pas le président qui a fixé, ce n'est pas ses prérogatives. Les gens peuvent dire après ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est ma conception des choses. Et donc, Amédée Kouakou a très mal fait de venir s'arrêter et dire. Les journalistes ont posé des questions. C'est vrai, il faut répondre. Mais est-ce qu'ils ont demandé qui a fixé le prix? Nous tous, on sait, il y a le gouvernement et il y a le fait. Mais quand on regarde ça, mais qui s'occupe des routes? C'est le fait. C'est le fait qui s'occupe des routes. Et donc, moi, je pense que cette façon de communiquer, elle est caduque. Il faut changer la manière de communiquer pour permettre aux populations de comprendre le bien fondé et du prix qui a été fixé
sur les différents péages. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à stabiliser les esprits des uns et des autres. Aujourd'hui, je vois des criminels comme, comme on appelle, des criminels comme les demandants Picasso qui profitent de cette situation. Mais quand les demandants Picasso parlent de ça, moi, mon père sait. Parce que c'est des gens, on les a vus ici dans ce pays-là. Mais le gouvernement a donné l'occasion à ces parasites-là, à ces fourriers-là, de venir parler et de donner une leçon. Mais elles ont telle leçon à donner au gouvernement. Mais je pense que le gouvernement doit s'en prendre à lui-même. Et le prix là, moi je le dis à qui veut l'entendre. Moi c'est ma conception. Il faut revoir le prix. Le prix, il faut revoir le prix. Pour ne pas que la population paye les frais. Mais d'abord même aller là-bas, nous on trouve que le transport est cher. Mais vous avez venu leur donner l'occasion. Moi je dis non. Moi je dis non. Moi je ne suis pas, comme on appelle, un opposant. Moi je suis militant RHDP. Mais ça touche l'ensemble de la population. Nous avons des militants dans cette zone-là. Et quand on prend la géopolitique, ils diront quoi? C'est parce qu'ils ne sont pas comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pourquoi. Parce qu'il faut voir ce côté-là. Il faut voir ce côté. Moi, c'est ma conception. Et chacun est libre de faire sa, comme on appelle son analyse sur la situation. Mais il faut voir la réalité. Il faut voir la réalité des populations. Aujourd'hui, l'État qui dit qu'il lutte, comme on appelle, à baisser le prix de certaines choses sur le marché. Mais quand vous voulez augmenter, quelqu'un qui paye son savon Kabakuru pour aller vendre, mais au prix habituel qu'il vendait son Kabakuru, quand il va payer, on va payer, comme on appelle, 1000 francs au péage, ou encore les autres tarifs qui sont fixés. Et ceux qui les transportent vont augmenter le transport. Mais du coup, ça joue automatiquement sur sa marchandise, et arrivé là-bas, il est obligé d'augmenter sa marchandise. Mais quand il augmente sa marchandise là, mais quel est le pouvoir d'achat des populations? Quelqu'un même qui n'arrive même pas à manger trois fois par jour. Mais regardez ce que ça fait. Quand il y a des situations, il faut avoir le droit de dire au gouvernement ce n'est pas bon, parce que nous, on ne veut pas de troubles dans ce pays-là. Le président Alassane Ouattara s'est trop saigné pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne peux pas accepter que des gens se lèvent pour fixer un prix et on va venir endosser son pays à la rue. Moi, je dis non. Je n'ai pratiquement pas grand chose à ajouter puisque c'est le même ordre d'idée, mais il y a Berthe qu'on a ajouté. Bonsoir, M. Berthe. Bonsoir, éclairé pour vérité. Oui, et donc vous avez dit. Bonsoir, que... le roi. Oui. Bonsoir, Berthe. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va chez vous? Oui, je vais bien. Allez, la famille? Oui, la famille se porte très bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen. Ouais. Bon, éclairé, merci beaucoup. J'ai demandé à ce que je sois ajouté. C'est-à-dire, j'ai parlé plusieurs choses à la fois. Parce que la dernière fois, direct que nous étions en train de parler, c'est vrai, il a dit ça. Mais ce jour-là, moi-même, j'ai dit même aussi que, j'ai dit même à la CA, j'ai dit, ils sont en train de se voir pour augmenter. Moi-même, j'ai dit ça. Dans, la même, dans le même direct. Éclairé, en toute sincérité, dans cet appel, prochainement, si on parle comme ça, il y a beaucoup de trucs qu'on voit dedans. Il y a une manipulation dedans. Oui, on pourrait faire ça, la population n'est même pas criée. Ce n'est pas à cause de billets pour que la population va se libérer. Il y a une manipulation. Voilà, j'ai dit, maintenant je m'explique. Comment les transporteurs, pardon, les patrons, comment dire, les patrons des chauffeurs, les syndicats chauffeurs, peut-il à les chauffeurs d'augmenter le transport? Pendant ce temps, le président des transporteurs, même est là, Ibrahim Diaby, moi, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu sa déclaration. Mais je ne suis pas sûr et certain que ça va arriver jusqu'à ce point et ils ne sont pas invités. Oh, pourtant, on les envoyait au Maroc pour aller les former. Il y a un problème qui pose. Ça, ça entraîne les syndicats. L'État est dans le droit. L'État est en train de faire tout ce qui doit arranger la population. Voilà. Parce que c'est deux choses qui viennent se rencontrer après des péages et c'est les voitures qui passent dessus. Donc, ce qui se dit des ressources des secteurs là, s'il y a un gros bruit, on doit les écouter.
Parce que, comment dirais-je, à la gare, son peuple payer péage là. Ça, c'est plein. Mais pourquoi il se plaint? Non seulement, ça commence d'abord à la gare. Quand tu prends ça, les souffrances, ça commence à la gare. Oui. Mais le problème est que si on dépense plus, il y a un moment, excusez-moi, il y a un moment qui doit venir où tu dois te plaindre. Les transporteurs ne peuvent plus. Parce que ça commence à la gare. Mais ils ont été manipulés pour augmenter la. Parce qu'à chaque fois qu'on augmente, et leurs droits là, ça augmente. Oui. C'est eux, ils ont d'abord augmenté leurs droits. Avant que les chauffeurs vont dire qu'ils vont, se sont nerveux pour dire qu'on va tout augmenter. Mmh. On va expliquer. Et ils ont fait des réunions. Mais c'est là, on ne peut pas parler après des pièges sans que moi je parle des syndicats. Parce que le vrai problème, c'est là-bas. D'accord. Voilà. Si eux ne augmentent pas leurs droits à la gare pour empêcher les chauffeurs, tu peux pas aller augmenter quoi? C'est quand c'est augmenté que la population se plaît. Hein? Voilà. C'est parce que c'est augmenté là-bas que les chauffeurs ont demandé à ce que bon, les transporteurs aussi, puisqu'ils ne sont pas considérés. Ils ont pris la décision. Seulement, les syndicats chauffeurs et ils ont besoin de leur argent. Ils restent là, ils s'en foutent de ça. Le bienfait du gouvernement, là, ils ne vont jamais montrer. Oh, pourtant, le cabinet n'est pas augmenté. Et dans ce même bureau, on a félicité le président de la République. Moi, qui m'ai fait. Vous voyez, le problème vrai, vrai là, c'est la gare. Ils sont manipulés et ils sont obligés. Donc, pour que les gars voient, on essaie de voir ça ensemble du roi. Voilà, merci beaucoup. Je pense que on parle de la même situation. Hein. Mm-hmm. Et moi, dans mon intervention la fois passée, j'ai été plus que clair. Moi, j'ai dit, nous sommes en face des personnes qui sont là. Et des personnes très malhonnêtes comme les transporteurs, tous les syndicats qui sont dans le domaine du transport. Et la vidéo encore là. Et Claire va chercher la vidéo et la partie où j'ai intervenu pour que ça soit clair dans les esprits des uns et des autres. Moi, j'ai même dit que le gouvernement, dans son déficit de communication, va venir donner le bâton aux transporteurs, en tout cas de frapper sur les populations. Parce que c'est des gens qui sont très malhonnêtes, nous tous on le sait. Mais à la moindre occasion seulement, là, il faut chercher à augmenter le transport. Et j'ai été clair. Et j'ai même dit, les jours à venir, ils vont nous situer. Et les jours à venir, il faut chercher à augmenter le transport. Et j'ai même dit. Et donc, tout ce que nous sommes en train de parler, M. Berthe, c'est le gouvernement qui a. La faute revient au gouvernement. La première faute, c'est le gouvernement. Et je m'explique. Mais qu'est-ce qui empêchait le gouvernement de réunir tous les acteurs et de faire une table ronde? Venir leur expliquer avant même l'ouverture même du péage. Le gouvernement pouvait le faire. Le gouvernement pouvait le faire parce que quand vous gouvernez, c'est des hommes qu'on gouverne. Ce ne sont pas des animaux. Et vous devez être soucié, comme on l'appelle, du bien-être de ces populations. Mais qu'est-ce que nous avons fait le gouvernement? Le gouvernement n'a associé, d'après la déclaration du comment on appelle, d'Adama Touré, n'a associé aucun syndicat à cette discussion. Mais quand vous faites comme ça là, vous voulez que les gens comprennent comment. Donc le déficit de communication est venu entacher, comme on appelle ce beau travail du gouvernement. C'est de ça que moi je parle. Donc le gouvernement doit s'en prendre à lui-même, Monsieur Berthe. Selon ce que vous avez dit, nous tous on le sait que ce sont des malhonnêtes. Et là, ils ne regardent que leur intérêt. Mais pourquoi vous venez leur donner l'occasion d'augmenter le prix? Alors que c'est la population qui va payer ça. Moi, c'est mon problème qui est là. C'est mon problème qui est là. Moi, je n'ai pas de voiture. Mais quand je vais, j'emprunte, c'est le transport en commun que moi je paye pour arriver à Bassam. Mais quand le transport a augmenté, moi, ils ne vont pas faire pour moi de façon certaine. Moi, je vais en partie aussi, et comme on appelle les frais. Donc, voilà le problème, M. Berthe. Le gouvernement a failli sur ce côté. Il faut qu'on comprenne ça. La communication a fait défaut à ce niveau. Voilà ce que je voulais ajouter, M. Berthe. Monsieur Berthe, voilà, vous avez... Le roi, vraiment. Ok, vous avez la parole. Le roi, vraiment, merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui, oui. Vous parlez du même problème.
Mais c'est que toi, M. Berthe, toi, tu connais mieux le secteur que nous. Ouais. Donc, toi, tu frappes à la base pour monter. Alors que nous, ce qu'on voit là, c'est l'augmentation là qui a été le problème pour que tous les malhonnêtes sortent. Et c'est donc cette augmentation là que nous critiquons. Pas qu'on critique, on essaie de faire des propositions. Parce qu'une fois qu'on met les prix à un prix acceptable là, tu vas voir que tous ceux-là même n'auront plus d'arguments. Et c'est la même chose qu'on dit, mais à divers degrés. Mais M. Berthe aussi va plus loin en nous disant, si on peut régler le problème des syndicats une bonne fois là, si on coupe les syndicats, parce que Berthe a dit un prix comme par exemple, syndicat fait 1 800 000, 1 million quelque chose par jour. Oui, je sais. Bon, est-ce que ça là, c'est normal? Il y a quel propriétaire de véhicule à Abidjan qui peut avoir ça par jour? C'est pas normal. Même si tu as 10 véhicules, tu ne peux pas avoir ça. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Des gens qui sont là, eux, ils ne veulent, et puis ils ne veulent même pas travailler. C'est ça. Ils ont créé une mafia. Et ça, ça nourrit plus. Et c'est ça le vrai problème. Si on enlève ça dedans là, non seulement le transport va être très clarifié, mais ça va permettre, et je l'ai une fois dit ici, j'ai dit avec le temps, si nos parents transporteurs du Nord ne se méfient pas là, le désordre là, ils vont payer les conséquences un jour. Parce qu'un jour va arriver là, une société bien organisée va venir faire des gares là, puis il n'y aura pas de bruit. Vous allez voir ce qui va advenir. Et c'est au nom de ce souci là, M. Berthe, se souciant de ses anciens collègues, il essaye de dire un problème dans le fond pour nous dire, si on extirpe ces syndicats, vous allez voir que les vrais prix des transports seront connus de tous. Les chauffeurs vont gagner ce qu'ils méritent, les propriétaires vont gagner ce qu'ils méritent, et l'État lui-même va gagner ce qu'il mérite. Parce que M. Berthe est en train de nous dire que les 1000 francs ne peuvent pas être un problème si c'était que les syndicats n'abusaient pas des choses. Mais à la réalité aussi, il faut reconnaître que c'est des gens, comme tu l'as dit, qui sont toujours aux aguets. Même quand les prix de l'essence n'ont pas augmenté, ils ont augmenté les transports. À partir de 16 heures dans tous les quartiers d'Abidjan, ils augmentent les transports. Et puis, ils font de sorte que les gens, tu puisses décomposer deux ou trois fois ton trajet. Oui. Donc, c'est des gens qui, vraiment, aujourd'hui, il faut les extirper de ce domaine-là. C'est ça. Voilà. Donc, vous dites pratiquement la même chose. Voilà. Ce que j'allais dire, l'État aurait pu avoir raison si l'État les avait appelés pour venir discuter avec eux. Parce que le malhonnête, là, quand tu as lu là, il faut le prendre par tous les moyens, que ce soit à gauche ou à droite. C'est-à-dire tu le canalises. C'est comme s'il ne peut même plus avoir, quelque chose à dire. Donc l'État pouvait les appeler et venir faire la réunion avec eux et leur dire, voilà pourquoi nous on veut faire ça comme ça. Ils allaient trouver un accord là-bas. Maintenant, le prix allait être fixé. Mais après la fixation du prix, le syndicat allait s'élever pour augmenter le transport. L'État allait sortir la déclaration pour dire voilà les accords que nous avons signés, voilà ce que vous avez signé, mais pourquoi vous avez fait ça? Et donc, l'État aurait raison, mais l'État n'a pas, donc l'État même a été pris dans son propre piège. Mais à l'avenir, comme Berthe l'a dit, moi je ne suis pas un expert du domaine. Moi, on a toujours dit c'est que le domaine dans lequel Berthe est plus à l'aise, c'est le domaine du transport. Lui, il a fréquenté ce domaine-là, il a fait quelque chose, il sait. Le problème du domaine, même quand bien même qu'il n'est plus au pays, mais il a des ramifications, il a gardé ses contacts, et il est bien informé. Donc ces syndicats-là ne sont pas là pour aider la population, c'est ce que l'État doit comprendre. Tant que l'État n'a pas encore compris, pris la pleine mesure, de comprendre que ces syndicats-là sont le vrai mal de la société, dans le milieu du transport, on ne s'en sortira pas. Voilà un peu ce que j'allais dire. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci beaucoup, comment est le roi. Éclairage, je vais expliquer un peu comment les gars fonctionnent. Éclairage, en toute sincérité, c'est un cartel. Oui, c'est des gens. Oui, tout le monde les craint. À partir du moment, si nous les Ivoiriens, ceux qui sont censés à défendre, si c'est même que vous devez défendre, si les gars vous craignent, c'est que c'est grave. Et il n'y a pas chauffeur. C'est dit, il n'y a pas. Si sans chauffeur qui peut parler devant le syndicat et réclamer son droit, peut-être c'est dit. Je dis peut-être, mais je sais qu'il y en a. Parce qu'il connaît l'autre du soir. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. C'est un secteur où il y a l'argent. Pourquoi on va s'amuser? Je vais expliquer un peu. Il y avait 11
boss, grand patron. Mais il y a plein qui sont décédés, père allait en petit repose en paix. Éclairé, il y a beaucoup de gars. Il y a nouvelles gars. Il y a en bas de pont. Il y a Prapodi. Il y a Renault. Il y a 220. Il y a Texaco. Il y a William Civil. Souvent, à la rentrée de William Civil, souvent, il y a des camions qui gardent là-bas. Il y a Bobo. Il y a Makori. Il y a gars de Bégéville. Maintenant, au marché Gourou, il y a la gare de Bégéville là-bas encore. Il y a la gare de Pobodé là-bas. Il y a une gare de Pobodé encore à la Réunion. Je sais qu'ils ont déplacé ça maintenant. Mais il y a Texaco. Il y en a plusieurs. Maintenant, chaque patron, parmi les 11 personnes qui parlent là, ils ont un jour Brabodi là-bas. Ça veut dire que il y a tous les petits gars qui vont encaisser, qui vont prendre les pieds, les droits de ligne, ce chauffeur qui prend pour aller au rétrocuteur, tout. Tous les voisins qu'on voit sur le terrain, c'est eux qui les envoient, qui sont les petits syndicats de voyous. Oui. Maintenant, il finit d'encaisser tout. Pas peut-être dans chaque cas, il y a un patron, il y a un chef de gars. Tu vois, il y a un chef de gars, il y a son adjoint, il y a un bureau compliqué là-bas. Et aussi, ils ont les tickets, tout. Mais celui qui a son jour au Brabodi là, après la recette, quand ils vont faire la recette le soir, chacun va prendre pour lui. Le boss va prendre pour lui. Chacun va prendre pour lui. Même ceux qui encaissent. Et tous prennent pour lui. Ceux qui ont vendu pied. Ils sont tous payés en même temps. Le reste, là, on envoie. Il y a un chef qui prend pour apposer ce jour-là. Si c'est Tchakite Yakuba, lui, là, son jour, il prend 1 million 800. C'est ça. Il n'a rien à voir avec son pied par jour. Son droit de ligne par jour. Éclairé, oui. Excusez-moi, j'ai posé une question à Berthé. Mm-hmm. Oui. Berthé, est-ce que ces sommes faramineuses que ces gars-là encaissent, mais est-ce que au niveau du ministère des Transports, là, est-ce que y a pas une partie qui va au ministère des Transports de façon officieuse? Allah Akbar. Éclairé, j'ai dit 11, les autres, ils ne peuvent pas dire les noms ici. Mais je vais dire un jour. Et tous mangent. C'est pourquoi voilà. Syndicat fait ce qu'il fait. On le connaît? Est-ce qu'on ne le connaît pas? On le connaît? Ils sont connus. Bon, éclairé, si j'ai posé la question à Berthé, c'était pour résoudre une situation. Et j'ai dit dans mon intervention que l'État était au courant, le ministère était informé de l'existence de ces syndicats-là qui fonctionnent. Comme on appelle de façon officielle. Donc, c'est pour dire que si tel est le cas, allez-y comprendre ce qui se passe. Voilà ce que j'allais dire. Donc, c'est la population qui est laissée voilà. Entre les griffes des loups, en fait. Oui. C'est ça, éclairé. J'ai dit, c'est pourquoi un apprenti qui est en train de travailler, il y a un petit syndicat qui va venir le frapper, blessé, enlever son arrière, beaucoup, prendre son argent. Je dis, tu vas le prendre, tu vas à la police là. Quand tu vas te retourner, tu vas aller le trouver devant toi à la gare là-bas. Et puis tu ne cherches pas. C'est ça. Donc c'est pourquoi il y a des transporteurs actuellement qui se sont organisés. Chacun a pris des avocats. Donc c'est ceux-là qui sont protégés. Mais ils ne sont pas beaucoup. Bon, entre nous, en pourtant, l'État est en train d'investir. C'est un transport, même l'État doit construire la Côte d'Ivoire même. Pourquoi on va se mentir, pourquoi on va se mentir? Président président de patronat là. Lui, il est là. Oui, Djabi Ibrahim. Djabi Ibrahim. Père à son nom, quand son Kouloubel est décédé, lui, il est là. Mais il est là. Bon, quand il est là, tu travailles. Pourtant, le pays bouge. On a besoin de voir des trucs. Le problème entre le Touré et Gaoussou là. Moi, je dis, rivalité qui est là-bas, là. Non, chacun va jouer de son relation, torpiller l'autre. Mais il ne peut pas dire ça directement. Il y a des gens, tu ne peux pas les sauter, malgré qu'il n'est pas syndicat chauffeur. Mais si tu veux décider là, pour que lui parle, s'il n'est pas d'abord, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau. Il y a eu tout l'investissement. Tu compares les métros. Ministre des Transports, vraiment, ils font de bon travail. Mais il y a des gens là,
c'est mieux. Sinon, vraiment, ils vont saboter le travail. On va rester là, crier, crier. Le président est en train de tout faire. C'est là. Ça, c'est entre guillemets. Vous allez voir, des jours là, il y a un nouveau syndicat qui va créer. Quand ils vont comme ça, ils créent un nouveau syndicat. Et je sais de quoi ils sont en train de parler. Effectivement. Voilà. Donc, éclairer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Tu nous sais là, vraiment, s'ils sont prêts pour nous, on allait voir. Pour me résumer, éclairer, moi je dirais que le déficit de communication met parfois à mal même, comme on appelle, les compétences du gouvernement. Effectivement. Moi je pense qu'à l'avenir, il faut que le gouvernement se donne les moyens de communiquer largement avant même la mise en service de certaines infrastructures qui... que ça soit, en tout cas, de certaines infrastructures. Qui nécessiteraient un paiement. Quand on ne communique pas assez, quand on ne communique pas assez, ça devient difficile. Et il y a un deuxième PL qui va être construit sur cette même route-là, un peu plus devant, comment on appelle, devant le premier PL qui a été construit. Donc, avant, il faut commencer à préparer les esprits des gens. Parce que faire ça 1000 francs, aller faire l'autre là-bas 1000 francs ou encore, je ne sais combien, il faut communiquer largement sur ces faits-là. Et je ne parle même pas du domaine des routes. Et tout ce que le gouvernement entreprend, c'est vrai, on nous dit qu'il y a le CICG, mais nous, on n'a pas vu ça dans le CICG. Mais combien de personnes ont la connexion pour se connecter? Combien de personnes? Et nous avons dit ici que les radios locales sont là. Et tous les canaux qui peuvent permettre d'avoir une accessibilité, en tout cas facile, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Mais vous attendez seulement les gens viennent interroger et ce n'est pas ça. Mais moi, je prends mon frère, comment on appelle, Jean-Pierre Koudou, qui est peut-être dans un fly au fond là-bas. Ou même là, le réseau, même il n'y a pas de réseau. Mais quand même, il y a une radio locale qui couvre la zone. Mais pourquoi ne pas utiliser ces différents canaux de communication-là pour partager l'information? Et ça aussi, le gouvernement doit voir ça. Parce que la Côte d'Ivoire a tellement souffert que nous ne voulons plus de crise dans ce pays-là. Et regardez le niveau auquel le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous disons, mais celui qui va venir après lui, là, mais il aura du pain sur la planche. Parce que ça ne sera même pas facile pour ces terriers. Mais est-ce qu'il faut, gâter tous ces acquis-là? Non. Le déficit de communication ne doit pas être, comme on appelle, un problème pour venir gâter tous ces acquis-là. Il faut communiquer largement, trouver les voies et moyens pour rendre accessible l'information à tous les Ivoiriens, même le lambda qui se trouve dans un campement. Il faut qu'il ait les informations à temps. Voilà, j'allais me résumer sur ce fait-là. Donc, c'est un peu ça mon intervention. Il n'y a pas de problème. Et il y a notre aîné. Il y a notre aîné pour clore sur ce débat-là. Il y a notre aîné, Madou Fadiga, qui venait dire, je crois que vous parlez de la même voix. Berthe veut souligner que le gouvernement doit régler le problème des syndicats et des Nyambro, de sorte que les transporteurs jouissent de leur labeur. Et le gouvernement a failli dans la communication. Dans tous les cas de figure, le gouvernement est responsable. Et donc, c'est avec ces mots-là que nous allons clore ce sujet pour pouvoir avancer. Oui. Ok. Merci. Maintenant, il me reste deux derniers sujets, mais ça, ça ne dure pas. Il n'y a pas de problème. Ce qui concerne le fonds que les Américains vont employer aux jeunes du Nord, je pense que c'est ce que nous avons dit. C'est une très belle manière pour lutter contre le terrorisme, parce qu'il ne suffit pas d'aller payer des armes pour venir attendre. Oui, c'est vrai, certes, les armes sont une solution, mais cette solution que le gouvernement vient d'adopter, je pense que ça sera l'une des meilleures solutions. L'argent-là, comme tu as été clair avec les gens, il ne faudrait pas que les gens pensent que l'argent, c'est de l'argent cadeau. Vous prenez, vous allez rembourser. Parce que ce que vous allez rembourser là, c'est ce qu'ils vont prendre encore pour donner à d'autres jeunes du Nord. Donc il faut que ça soit clair pour que les gens comprennent. Et ça, il faut dire merci au gouvernement du président Alassane Ouattara. Vraiment, c'est un acte à saluer. Et nous lui disons infiniment merci. Et ces jeunes qui sont vulnérables, qui sont en proie aux terroristes, ça va leur permettre de ne même plus s'occuper de ça. Parce qu'un jeune qui est occupé dans sa boutique ou encore qui est en train de faire son jardin ne laissera jamais tomber ça pour aller prendre des armes quand il sait qu'il va perdre la vie là-bas.
Et ça, merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour finir, j'allais dire comme ça que le ministre gouverneur Touré Kaoussou a effectué une mission en Égypte le 21 juin passé. Et cette visite-là était pratiquement, je crois, une visite de prospection. Et il était allé s'imprégner des réalités agricoles en Égypte. Et à cet effet, il a visité un champ, une plantation rizicole, et qui est doté, en tout cas, de tous les outils de production mécanisés. Et il est sorti fier. Et il a même dit qu'il était venu voir la façon dont l'Égypte s'y prend en matière d'agriculture pour ensuite venir implémenter ça dans sa zone, je vais dire dans le district de Dengele. Et moi, je salue cette action et je pense que pour moi, ça doit être un nouveau départ pour Odjene. Et quand on sait que toutes les difficultés qu'ont connu cette région, surtout je vais parler du district du Dengele, il y a eu tellement de choses et les guetteurs entre les cadres. Et je pense qu'à partir de la nomination de Kaoussou Touré, nous tous, nous avons même vu quand il a été investi et quand on lui a donné son bâton de commandement. Et je pense qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes et il faut jeûner l'acte à la parole pour permettre au fils du Dengele d'être plus à l'aise et de se sentir dans ce développement. Et moi, je crois que le vice-gouverneur, en tout cas, va travailler dans ce sens pour que Odjene, en tout cas, puisse avoir un bon développement et réconcilier tous les cadres dans le bien-être des populations d'Odjene. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que vous avez déjà tout dit, le roi, et surtout relativement à la région du Dengele. Je crois que c'est une région qui mérite qu'on lui donne toutes ses chances. Et le chef de l'État, en nommant les ministres gouverneurs, c'est un argument contre les différents ministres qui ont été nommés dans leur région. Je vais dire clairement les choses. Ah, il n'y a pas de développement chez nous, ah, c'est comme ça. Le président a pris chaque fils de la région, il a nommé. Si il n'y a pas de développement dans ta région, là, c'est la cause, c'est le vice-ministre. C'est le ministre gouverneur qui a été nommé là. On va leur donner les plans de développement avec les financements qui vont pour pouvoir faire le travail. Et ces personnes-là doivent être redevables à tous les niveaux pour répondre devant le chef de l'État. Il faut que le travail soit fait consciencieusement. Et je le dis, et je l'ai toujours dit, le Dengele, c'est un peuple brave et digne qui mérite respect, mais qui mérite aussi pour le sacrifice même que ce peuple a fait pour l'acquisition du pouvoir par Alassane Ouattara. Je pense que ce peuple-là mérite que vraiment eux-mêmes ils s'asseyent et disent vraiment on a senti le développement sous l'époque de Ouattara. Ça, c'est ce que nous souhaitons pour cette région, comme pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Mais le laxisme des cadres et souvent même le retard que cette région a accusé, que ce soit en termes d'union, que ce soit en termes même de plan de développement, les cadres n'ont pas vraiment été, ils ne se sont pas arrivés au bon moment. Mais comme on le dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Si c'est comme ça que les choses vont aller véritablement de l'avant, il faut que les gens taisent leurs divergences internes, essayer d'abord de développer la région et après le reste s'en suivra. Je ne sais pas si peut-être M. Berthé a quelque chose à dire là-dessus. Oui, éclairé, merci. Nous souhaitons bonne chance à Kaoussou Touré. Si le développement arrive vraiment, ça serait partout en Côte d'Ivoire, ça serait plaisir pour nous les Ivoiriens. Nous prions dire que vraiment l'idée du président puisse se passer du nord, que les cadres comprennent vraiment ce côté. On va dire ça, mais on va revenir parce que pour vérifier, éclairer. Maintenant là, en Nyangoué, il n'y a pas de discours dedans. Voilà, on va vérifier. Si on ne voit rien, on fait bruit. On va les dire. Voilà. Il ne s'agit pas de nous blaguer deux, trois jours. Non, non, non. C'est que si nous vous aimons tous, essayez de faire ce que le président demande. Maintenant, éclairé pour finir, je vais dire comme ça à M. Amadou Koné, ministre des Transports. Vraiment, il fait un travail remarquable. Mais
franchement, ce secteur-là, il faut que le ministre prenne des décisions dures pour assainir ce secteur. Parce qu'autour, en bas, ceux même qui sont acteurs, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Et ceux même qui ont payé les véhicules. En toute sincérité, oui, mais pour le vrai problème, c'est des bandits qui tombent sur nous. Oui, ce sont les syndicats qui ne paient rien pour les acteurs. Donc vraiment, essayer de trouver une solution pour que les Ivoiriens puissent respirer un peu, pour qu'on puisse développer ce pays ensemble. C'est ce que je voulais dire, éclairer. Si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup. Éclairer, j'ai oublié un point important. Hein. OK. Il y a, comment on appelle, un journaliste de Poissy.com, que tout le monde connaît, qui est rentré en contact avec moi, qui souhaiterait avoir un contact de la coordination nationale des cas routiers de Côte d'Ivoire. Et donc, s'il y a des gens qui sont connectés sur la plateforme, qui écoutent eux, qui sont de cette coordination, peuvent rentrer en contact avec la rédaction de Poissy.com. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de problème. Ou bien même s'ils rentrent en contact avec la plateforme, on va essayer, voilà, je parle de la coordination, on va essayer de les canaliser vers ces personnes. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup à tous. Maintenant, il y a une question pour toi, éclairer. Il n'y a pas de problème. Écoutez très bien ce que je vais dire. Mon frère éclairer, d'où provient ton inspiration, ta motivation du lundi au samedi? Aucun cyberactiviste ne t'a contredit et ils ont tous été invités, mais personne. Mon frère, tu es dans la vérité, que tu sois béni ainsi que les EPV. Ce message vient de Mohamed Bamba, de Mohamed Doumbia. Éclairer, qu'est-ce que vous dites? Je vais dire que ce n'est pas éclairer lui-même. C'est l'ensemble de tous les cerveaux, comme M. Berthe, comme toi-même, comme Sunjata, comme le frère Touré, comme Yann. Regardez la qualité des personnes qu'on reçoit ici. Quand le samedi, on a reçu M. Sidi Kaba, spécialiste en terrorisme, et qui nous a profondément parlé de tout ça, vous voyez que ce n'est pas la force d'éclaireur, mais c'est parce que l'éclaireur sait comment choisir les bonnes personnes pour essayer de faire un travail que le monde entier peut apprécier. Et je dirais aux frères qu'il y a quelque chose en nous, c'est l'amour du pays. Et puis, je ne vais pas vous mentir, Berthe sait ce qu'on a subi dans la guerre. Berthe connaît. Je n'ai pas dit, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, mais il y a eu doublement la guerre à Boaké. Et Berthe sait combien de fois, on ne se connaît pas physiquement, mais ça détruit tous nos vies. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise aux gens. Et aujourd'hui, moi, étant à près de 10, 15 000 km de la Côte d'Ivoire, mon souci le plus grand aujourd'hui, c'est que ceux qui n'auront pas la chance, parce que nous autres, même Berthe inclus, c'est la guerre qui nous a fait fuir le pays. Hein. Il ne faut pas avoir honte de dire la vérité, parce que quand il n'y a plus de perspective d'avenir, je te dis, c'est pas la peine. Et donc, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui aura la chance de quitter la Côte d'Ivoire. Il faut plutôt chercher à créer de façon endogène les conditions pour que chaque personne ait sa chance en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'on se dit qu'aujourd'hui, si peut-être par notre parole, on peut apporter un plus, on le fait. Et ça, pour le faire, on n'a pas besoin de chercher quelque chose. Ce que nous recherchons, c'est que notre travail puisse être respecté, mais c'est avec le temps. Si on a menti, toujours la voie est ouverte. Les gens trouveront les mécanismes pour nous dire, là, vous avez menti. Mais en toute sincérité, notre objectif, il est loin. Je dis bien, notre objectif, il est très loin de faire notre promotion ou bien de chercher même à avoir raison. Non. Nous vérifions les faits. Regarde ce bel exercice que tu viens d'avoir avec Berthe. C'est ce que nous voulons. La dernière fois, M. Bakayoko et M. Touron ont fait la même chose. Et dans ça, là, tout le monde a appris quelque chose. Ce que toi, tu as dit lundi, c'est vrai. Ce que Berthe a dit lundi, c'est vrai. Donc, en ce moment, qui n'a pas raison? Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Ça veut dire que, normalement, la discussion intellectuelle, ça doit se compléter. Éclairer. Berthe ne connaît pas tout. Nous-mêmes, ici, là, on ne connaît pas tout. On n'a pas toute la vérité. Mais ce qu'on dit, là, quand les esprits sont foncièrement guidés vers la recherche de la vérité, vous voyez que ça devient un travail collectif. Et donc, l'éclaireur, comme on dit, ce n'est pas une personne. Même si moi-même, je ne suis plus là, la place va continuer. Mais la grande différence entre le faux et le vrai se distingue surtout avec la qualité du travail. Et nous sommes les seuls à dire que nous mettons même notre travail sur la balance de la réflexion et de la critique. Quand on finit, puis on dit, si ce n'est pas vrai, que les gens viennent. Et on attend que les gens viennent.
Et ici, comme on a dit, quand tu vas venir, tu ne peux pas venir raconter des choses et puis partir. Ce temps-là, non, ce n'est pas sur cette plateforme. Quand tu viens, la méthode, elle est simple. Tu dis, bon, moi, je vais dire quelque chose. Voilà où je tire mes preuves. On met ça devant tout le monde. Maintenant, c'est que toi-même, tu veux dire là. Tu dis ça. Quand tu vas finir, on va te dire, bon, le document que tu as dit là, c'est ce que toi-même, tu voulais dire là, tu as dit. Mais le document dit que voilà la suite. C'est très important. Et c'est ça. Un homme, quand tu as encore de la fierté, ta parole et tes actes seront des juges contre toi ou mais en faveur de toi. Et donc, chaque propos que tu vas tenir et chaque acte que tu vas poser, il faut être capable d'utiliser les faits concrets pour dire, bon, voilà. Et il y a quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi tu demandes toujours les preuves? Je demande toujours les preuves parce que l'éclaireur ne peut pas fabriquer de preuves. Et quand une preuve est là, là, ça veut dire, même si vous ne croyez pas en ce que j'ai dit, les faits que j'évoque là, allez prendre et puis regarder et puis voyez si ça a été dénaturé ou non. C'est là l'importance des preuves. Ce n'est pas la beauté de quelqu'un qu'on regarde, c'est l'importance de ce que tu dis. Quand tu peux soutenir ça avec des preuves, ça arrive à convaincre davantage les Ivoiriens. Et puis une autre chose, notre présence ici sur la plateforme, c'est d'aider les Ivoiriens à comprendre c'est quoi la politique. Voyez-vous, la semaine passée, des gens avaient pensé que pour aller à la primature ou pour pouvoir entrer dans un ministère, il fallait être l'ami de quelqu'un et que ce quelqu'un-là allait faire des procédures vraiment extraordinaires. Pour... Non. Vous étiez là-bas. Dans ce mois de juin, vous avez fait 3 ministères déjà, en plus de la primature. Et donc, pour l'homme, pour le citoyen lambda, aujourd'hui, Alassane Ouattara, vraiment, la gouvernance d'Alassane Ouattara appartient au peuple. Ce n'est pas des mots vains. Sinon, combien vous avez payé pour être reçu à la primature? Est-ce que ça a été difficile? Et je dirais même que c'est la primature qui est venue à vous. Et c'est ça la beauté de ce pouvoir d'Alassane Ouattara. Et moi, en arrière-plan, je dis quoi? Alassane Ouattara ne peut pas faire tout ça. Se mettre au service des Ivoiriens, et les Ivoiriens ne vont pas comprendre et aller vers Alassane Ouattara. C'est la montagne qui est venue à nous. Et regardez, c'est notre aîné, M. Koné, le conseiller, l'un des conseillers spéciaux du Premier ministre même, qui est rentré en contact avec nous. Regardez cet acte même d'humilité et de grandeur. Et tout ça, c'est pour que toi qui es au village ou même qui es assis au grain là, ça veut dire quoi? Si vous vous organisez bien, si vous avez des choses correctes, des choses qui méritent qu'on prête attention, vous pouvez faire une demande. Vous n'avez pas besoin de l'éclaireur. Vous n'avez pas besoin du roi du printemps. Et ici, là, c'était pour vous montrer que tout le monde peut aller là-bas. Et donc, on veut décomplexer la vision que les gens ont pour leur dire non. Tout le monde est inclus dans la politique du président Ouattara à telle enseigne même que même si tu prends rendez-vous avec le président lui-même, tu seras reçu. Tu seras reçu si ça en vaut la peine. Et donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et puis, chaque soir, on permet aux uns aux autres de parler. Et tu vois, même on casse le niveau du discours pour que les gens comprennent c'est quoi la politique. Comment on doit faire la politique. Comment le monde même fonctionne. Est-ce que quand on nous dit qu'il y aura famine là, et en Afrique avec la guerre en Ukraine là, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est mensonge? On explique ça simplement pour dire ce n'est pas un mensonge, mais c'est de la manipulation des médias qui tirent un profit. C'est ça. Et derrière ça aussi, il y a des organisations comme la FAO ou bien par exemple, j'oublie un autre nom, qui ont besoin d'alerter. Et donc, c'est des systèmes de communication. Mieux vaut alerter au pire et l'éviter que d'attendre le pire avant de chercher solution. Par exemple, et donc, une fois que tu comprends tout ça là, ça va te permettre de comprendre même l'évolution globale du monde, de comprendre comment les choses fonctionnent dans ton environnement. Quelqu'un qui suit la plateforme aujourd'hui, tu connais déjà le fonctionnement des hommes politiques et par anticipation, tu sais déjà comment les aborder. Et une fois que les Ivoiriens auront compris ça, vous allez voir que les hommes politiques ne pourraient plus les manipuler pour assister à des CNT ou même à des violences. C'est ça que nous recherchons. D'accord. Donc, donc, la source d'inspiration de l'éclairage, c'est toi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est aussi les auditeurs qui sont là avec nous. Quand je regarde l'effort de Madame Blanc, de Kaswat, de Meraki, de toutes ces personnes, et ce qu'on disait la dernière fois, on vient de m'envoyer une vidéo où quelqu'un même qui est en France vient confirmer ce qu'on disait sur la réconciliation que les gens faisaient le 5. Et la personne me dit éclaireur,
les gens viennent encore de te donner raison. Et donc après, je vais t'envoyer la vidéo, moi-même, je n'ai pas suivi. Et donc, vous voyez, nous ne sommes pas des magiciens, mais c'est parce qu'on fait des analyses cartésiennes et ce n'est pas, c'est pas difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un esprit aguerri, là, tout ce qui se passe dans la vie, là, tu essaies de prendre chaque chose, tu la mets dans son contexte, et puis maintenant, tu essaies de relier, de faire les liens. Une fois que tu arrives à faire les liens, ça te permet de tirer des conclusions. Et avec ces conclusions-là, tu peux essayer de faire de la projection et faire des analyses par anticipation. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi vous verrez que nous n'allons pas être ici pour dire que Alassane a construit 10 ponts, 15 ponts. On le fait de façon très sommaire. Mais pour nous, c'est comment Alassane peut faire encore plus. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Alassane même nous fait rêver. Et nous, on lui demande de nous faire encore rêver davantage. Voilà la grande différence entre nous et ceux qui sont satisfaits. Non, on aura toujours raison. Éclairé, il y a Ousmane Traoré qui dit comme ça, éclairé, s'il te plaît, il faut bloquer Maître Guézo, c'est un arbitre. Il y a un vendeur de bonheur ici, donc il faut chercher à l'enlever sur notre plateforme. Il n'y a pas de problème, ça sera fait. Ça sera fait. Voilà, il faut l'enlever sur notre plateforme. Comment il s'appelle déjà? Voilà, donc, il s'appelle Maître Guézo. Ok, Maître Guézo. Il n'y a pas de problème, je vais le chercher. Regardez, voilà. C'est Ousmane Traoré qui a mis ça. Certainement, ce vendeur de bonheur là, je pense que c'est ici. Il va venir trouver ses clients. Non, on a pas de bonheur. Il n'est qu'à aller chez le bon là-bas. Il n'est qu'à aller voir ça là-bas. On est déjà dans le bonheur, le président Hassan Ouattara. Effectivement, ça nous voilà. Voilà. Vraiment, éclairé, merci beaucoup. Non, c'est à vous les remercier. Vraiment. Mario Sissabane, notre mère Aki, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et Yann Poulou et autres là, Fiona Poura et tout. Vraiment. Donc, c'était mon intervention du soir. J'ai pris du plaisir à parler avec Berthier ensemble de ce problème-là. Et vraiment, c'est ce que nous recherchons. Et vraiment, je dis bonne soirée à chacun, à nous retrouver demain. Et Adja Mariam, merci beaucoup pour tout le monde. Merci à toi, le roi du printemps. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun. Merci aussi à M. Cyclone, que la protection de Dieu demeure en chacun de nous. Merci beaucoup. Merci. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, il y a Sundiata, le conquérant, qui s'est signalé. Nous allons définitivement clore avec lui. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci surtout pour ceux qui animent l'émission. Vraiment merci à tous. Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir cher frère Clara. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, ça va très bien. Et la journée à Abidjan? Oui, la journée s'est très bien passée. Dieu merci. Que Dieu continue de nous bénir. Amin Arabi. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Alors, merci à nouveau de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier tous les élèves de la classe, tous ceux et toutes celles qui, de par leurs interventions, leur prière, leur soutien moral continue de nous soutenir pour que cette plateforme continue ses activités de communication. Nous les remercions vivement. Nous remercions le parrain Marius Koudou. Nous remercions Touré KTS. Nous remercions Madame Blanc, Mère Aki, Éclaireur Pro Vérité, le roi du printemps, Monsieur Berthier, Nefertiti. Nous remercions tous ceux et toutes celles qui, jour et nuit, contribuent de par leur effort à éveiller la plateforme. Alors aujourd'hui, je vais intervenir sur deux sujets. Le premier sujet concerne la production électrique supplémentaire à la centrale thermique d'Azito, plus précisément l'augmentation de la capacité de la phase 4 à 250 MW
deuxième sujet, c'est de sensibiliser les jeunes Ivoiriens dans toutes les régions pour qu'ils aient davantage de courage à se mettre au travail. Alors, pour ce faire, concernant le premier sujet, permettez-moi de lire un article de presse tiré de Sika Finance, intitulé « La Côte d'Ivoire accroît sa capacité de production électrique de 250 MW ». La Côte d'Ivoire renforce sa capacité de production d'électricité avec l'ajout de 253 MW à son réseau. Une hausse portée par les nouvelles installations de la centrale thermique d'Azito qui vient ainsi de boucler la phase 4 de son extension. L'infrastructure a été inaugurée ce 25 juin par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Après plus de 2 ans de travaux et 217 milliards de francs CFA d'investissement. Financé par ses actionnaires IPS West Africa du groupe Aga Khan et le Britannique Blue Belek et les 9 institutions financières à 80% telles que la BOAD, l'IFC, Coparf, le Belge Bio ou encore le fonds EAIF. La centrale voit ainsi sa capacité globale portée à plus de 710 MW, devenant ainsi le plus important fournisseur d'électricité du pays. Un niveau qui représente aujourd'hui 27% de l'offre électrique nationale, dernièrement estimée à un peu plus de 2200 MW. Les nouvelles installations qui utilisent la technique du cycle combiné, qui permet de produire une quantité plus importante d'électricité avec la même quantité de gaz, est équipée d'une turbine à gaz GT13EA MXL2 de la classe E de General Electric, réputée de dernière technologie et dont un seul exemplaire est exploité dans le monde. Pour Patrick Hachi, cet investissement viendra renforcer la sécurité électrique du pays après la parenthèse du rationnement de 2021 suite à des problèmes essentiellement techniques, mais également intensifier la politique d'accès à l'électricité alors que 82% des localités sont raccordées au réseau. Mise en œuvre en 1989 avec une capacité de départ de 150 MW, la centrale d'Azito installée à l'ouest d'Abidjan, utilisant le gaz naturel extrait au large des côtes ivoiriennes, a ainsi presque multiplié par 5 sa production ces 23 dernières années pour un investissement global de 1096 milliards de francs CFA. Non, ce n'est pas 1096 milliards de francs CFA, je rectifie, c'est 1,096 milliards de dollars, ce qui correspond à un peu plus de 600 milliards de francs CFA. Voilà. Donc, voici l'information qui est donnée. Et pour ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Il faut dire que, pour explication, quand on parle de cycle combiné, ça prend en compte deux turbines. Le cycle combiné, c'est un cycle, en termes techniques, qui prend en compte deux turbines, c'est-à-dire une turbine à gaz qui est alimentée directement à travers le gaz et une autre turbine qui est appelée turbine. Cette turbine-là, elle est, la combustion du gaz et de l'eau est mélangée pour produire de la vapeur et c'est cette vapeur qui fait tourner la turbine à vapeur pour aussi produire de l'électricité. En fait, c'est une technologie qui est encore beaucoup plus économique et qui permet de produire un peu plus de mégawatts. Voilà. C'est-à-dire là, vous utilisez moins de gaz pour produire beaucoup plus. C'est ça le cycle combiné. Maintenant, le deuxième sujet, en ce qui concerne la sensibilisation que le gouvernement doit faire concernant le travail, il faut remarquer que depuis un temps, en Côte d'Ivoire, il y a une prolifération des vices.
On peut citer par exemple le phénomène de coupeurs de route, l'orpaillage clandestin, le phénomène d'agression à l'arme blanche et à l'arme, où les gens ils vont casser des portes pour voler, ou bien ils vont agresser des gens pour prendre les motos, ou bien ils vont agresser des commerçants. Il y a ce phénomène-là. À ce phénomène est venu s'ajouter un autre phénomène qui est celui du terrorisme et du djihadisme. Alors, ce qu'il faut déjà préciser sur la question, c'est que il est important d'attirer l'attention de la jeunesse contre ce fléau ou bien contre ce vice. Aujourd'hui, on peut remarquer également que des jeunes s'adonnent à l'alcool et aussi à la drogue. Et ceci n'est pas fait pour rassurer l'avenir. Ceci n'est pas fait pour rassurer et ceci aussi contribue à détruire l'avenir de la jeunesse. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, il est important de responsabiliser la jeunesse. Responsabiliser la jeunesse, il faut d'abord mettre un accent particulier sur l'école. Il y a l'école et la formation. L'éducation, la formation, il faut mettre un accent particulier. Ça, c'est un aspect. Mais ce qu'il faut voir en deuxième plan, la réalité, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans presque toutes les régions, la Côte d'Ivoire, d'autres ont fait l'école, ils sont arrivés à des niveaux d'études, ils ont abandonné les études, d'autres même ne sont pas allés à l'école. Et quels sont les secteurs d'activité qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir gagner leur quotidien? Il y a le secteur informel. Il y a le secteur informel et il y a le secteur aussi des métiers. Voilà. Mais la plupart du temps, ce que nous savons, le secteur des métiers, il est beaucoup plus inscrit dans le secteur informel chez nous. Puisque les gens ne sont pas constitués véritablement en entreprise en tant que telle. Donc vous allez prendre le commerce, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, la peinture, l'électricité, la plomberie, la mécanique, la métallurgie, la chaudronnerie. Vous prenez aussi le secteur de la pâtisserie et des boulangeries. Donc il y a bien des secteurs comme ça aujourd'hui, qui sont des secteurs pourvoyeurs d'emploi, qui sont des secteurs qui peuvent permettre aux jeunes de gagner leur quotidien sans s'adonner aux vices ou bien à des activités illicites que nous connaissons. La réalité, c'est que malgré que les jeunes peuvent faire ces activités-là, pour pouvoir gagner leur pain, il faut remarquer que beaucoup aujourd'hui préfèrent s'adonner aux activités illicites et nous ne savons pas pourquoi est-ce que de plus en plus les gens y optent pour ces choix-là, alors qu'il y a d'autres voies et moyens de gagner leur pain. Quelque part, si les choses sont ainsi, il y a un problème d'éducation. Nous sommes très loin d'être des gens qui vont venir donner des cours de morale ou bien d'éducation à des gens ou bien vont donner des leçons de morale. Non, nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale ou bien des cours de morale à qui que ce soit. Ce n'est pas dans nos intentions. Mais ce sur quoi nous voulons mettre un accent particulier, il faut que de plus en plus, une grande sensibilisation soit engagée sur toute l'étendue du territoire pour dire aux jeunes qu'il faut s'éloigner des vices et des activités illicites comme l'orpaillage clandestin, le phénomène des coupeurs de route, le banditisme, les agressions à vol armé, la drogue,
le terrorisme et le djihadisme. Il faut qu'une grande campagne soit faite pour dire aux jeunes, éloignez-vous de ces risques. Et en même temps, la grande campagne doit être faite un peu partout pour encourager les jeunes qui ont abandonné les études, ou bien ceux qui ne vont plus à l'école, ou bien ceux qui ne sont jamais partis à l'école, à s'adonner à des activités comme l'agriculture, l'élevage, la menuiserie, la plomberie, la soudure, l'électricité, la maçonnerie, la sidérurgie, la métallurgie, la coiffure, la pâtisserie, la soudure. Il faut qu'une grande campagne soit engagée sur le terrain pour encourager les jeunes, la jeunesse ivoirienne, à aller vers ces secteurs d'activité. Parce que ce sont des secteurs où, lorsque tu connais ton travail, tu gagnes ton pain. Tout le monde ne réussit pas à l'école. Ça, c'est une réalité qu'on peut constater. On n'a même pas besoin d'en faire un débat. Mais tout le monde peut réussir dans la vie. Donc, de plus en plus, nous voulons interpeller le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour lui dire d'engager des sensibilisations, pour encourager les jeunes à travailler et à se lancer dans tous ces secteurs d'activité. Le ministre de la Jeunesse et de la Formation civique, le ministre de l'Emploi et du Social, ils peuvent engager des campagnes de sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes pour qu'ils aient le courage et l'amour du travail dans ces secteurs d'activité. Pourquoi nous le disons? Parce que le constat qui a été fait aujourd'hui, c'est amer. Il y a eu une grande démission même au niveau des familles, de l'éducation des enfants. C'est vrai, j'ai dit, nous ne voulons pas donner des conseils ou des leçons de morale à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a une grande démission des parents vis-à-vis même de l'avenir de leurs enfants. Et c'est ce qui a entraîné aujourd'hui la prolifération des activités illicites et des vices que vous voyez un peu partout. Et la situation, si on y prend garde, risque de devenir dramatique sur le long terme. Voici pourquoi le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ils doivent s'impliquer dans la sensibilisation. Les grands projets sont en cours qui permettent d'avoir du travail. Il y a le social qui va être financé plus de 3 200 milliards. Ce sont de très bonnes initiatives. Mais nous souhaitons qu'il y ait une grande sensibilisation pour encourager les jeunes qui ne vont plus à l'école, pour encourager les jeunes qui ont abandonné les études, à s'engager dans les secteurs d'activité que nous avons cités et à tourner le dos aux activités illicites et aux vices. C'est très important. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, Sunyata, merci beaucoup pour la clarté même de vos propos. Et surtout, vous avez parlé de la centrale électrique. Ça fait même rêver à des lendemains très reluisants pour la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est à l'actif même du président Ouattara. Et d'abord, de créer un environnement où on peut réfléchir et surtout encourager même les jeunes gens et toutes les personnes qui veulent réellement travailler. Vous savez, il y a Nelson Mandela qui disait que tout ce qui est fait pour moi, sans moi, cela est fait contre moi. Le gouvernement ne peut pas faire tout ça pour nous, les populations. Et puis nous, on va s'exclure et demain, c'est nous qui allons dire que le gouvernement était contre nous. C'est très important. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est plaint et à partir de ses plaintes, il a pu se faire une vie pour en être fier. Nous disons aux jeunes gens, c'est ce qu'on essaye de faire, de reprendre confiance en eux-mêmes. Mais je dirais aussi que les médias, ils sont pour beaucoup dans la mauvaise éducation aujourd'hui. Mais en plus de cela aussi, nos télévisions même font la concurrence même des vices.
quand j'entends certains directeurs de chaînes de télé dire que c'est avec les vices et les vilainies qu'elles gagnent plus d'audience, je parle de Patrick Sahognan. Il a tenu ses propos, donc je vais le dire clairement. Il a dit comme ça que lui, il fait plus de vues avec certaines émissions casse-cou. Et il y a une autre émission où on parle des jeunes entrepreneurs ou bien quelque chose comme ça. Il a fait le parallèle en disant qu'il gagnait plus lorsqu'il y avait des futilités qui passaient. C'est non seulement une insulte à l'intelligence même des Ivoiriens, mais c'est en même temps aussi un défi malsain qu'il lance même à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que vos émissions sont suivies et ce sont des émissions qui n'éduquent pas le peuple. Et si vous en êtes fier de faire fortune là-dedans, je crois qu'on doit vous interpeller à un certain moment pour vous dire que votre démarche même ne fait pas sens. Parce que vous ne pouvez pas en train de dire que vous voulez éduquer une population et en même temps faire la promotion du vice. Effectivement. Voilà. C'est comme si, c'est un exemple que je prends, c'est comme si un proxénète venait me dire que lui, ce qu'il fait, c'est pour moraliser les gens. Comment cela se peut? C'est aussi simple que ça. Et donc, à un certain moment, chacun de nous a un rôle à jouer. C'est comme le peu d'efforts que nous faisons ici. Et tu l'as bien signifié, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, encore moins des gendarmes. Mais, à un certain moment, nous devons nous conseiller mutuellement pour pouvoir trouver le chemin. Et ça, c'est très important. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce grand travail que vous faites tous les jours et que nous continuons de faire. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, pour ne pas abuser du temps de nos auditeurs, j'allais vous demander de faire peut-être un truc. Allô? 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 Il me semble qu'il y a des difficultés. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on avait quelques difficultés, mais ça va. Oui, oui. Ok, donc je disais que si peut-être vous avez fini, j'allais vous laisser le temps de la conclusion, tout en remerciant les auditeurs et les auditrices, et que Dieu nous permette de toujours continuer à faire ce travail dans le respect, sur la base aussi des arguments, et surtout, que Dieu aide le président de la République et toutes les personnes qui œuvrent avec bonté et sincérité auprès de lui. C'est ce que j'allais dire. Ok, donc vraiment merci beaucoup. Nous remercions vivement les auditeurs d'avoir pris le temps de nous suivre attentivement. Vous aurez fait le constat de vous-même. L'actualité actuellement est relative à une situation que vous connaissez. Les uns et les autres ont dénoncé ce qui se passe. Et aussi sur la plateforme, les gens sont venus ici avec des propositions réelles. Et de plus en plus, des voix commencent à s'élever au sein de la société ivoirienne pour interpeller le gouvernement à prendre des décisions qui peuvent aller dans le sens de l'arrangement et qui peuvent faciliter la situation à tout le monde. Fort de cela, nous souhaitons vivement que le gouvernement saura prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour corriger les tirs et arranger la situation. Pour terminer, nous vous demandons de continuer à nous faire confiance parce que le travail qui est en cours dans le pays ainsi que le travail que nous-mêmes nous faisons n'est pas terminé. Le travail, il est toujours en cours et il faut beaucoup plus de détermination et de temps pour pouvoir le poursuivre sur le long terme. Donc pour ce faire, nous vous demandons de continuer toujours à nous suivre et d'être beaucoup plus déterminés. Parce que la route, comme on le dit, elle est longue. Portez-vous bien et excellente soirée. À demain. Vraiment, merci beaucoup à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Bonne nuit à chacun et à nous retrouver demain.